Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information en partenariat avec Mediapart et le Musée de l'histoire de l'immigration. Ce soir, je suis heureuse de vous accueillir pour la deuxième séance de notre cycle Migrants, réfugiés, exilés, consacré au parcours de migration et d'exil. Le mois dernier, dans la séance d'introduction de ce cycle, avait permis à nos invités de poser les réalités et les enjeux géographiques, démographiques, politiques des migrations à l'échelle mondiale, en balayant au passage beaucoup de nos idées reçues. Ce soir, les échanges porteront sur la réalité vécue par les hommes, les femmes et les enfants qui sont directement concernés par ces parcours de migration et d'exil. Quelles sont les conséquences humaines? Comment sont-ils pris en charge par les différentes structures nationales? Je tiens à remercier Catherine Witold de Venden, qui est la conseillère scientifique de ce cycle et qui est présente ce soir. Pour participer à cette rencontre, je suis également ravie d'accueillir Delphine Rouillot et Armand Ducoté. Et je laisserai le soin à Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski, qui anime la rencontre de ce soir, de les présenter. Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski, vous êtes professeure des universités en anthropologie à l'INALCO, chercheuse au CESMA et directrice adjointe de l'Institut Convergence Migration. Vous travaillez sur les questions migratoires et sur l'exclusion sociale en Inde, au Brésil et en France, et vous êtes également psychologue clinicienne à l'hôpital Avicenne. Alors, je cite deux de vos ouvrages qui sont sur le thème de la soirée, d'ailleurs. Vous avez dirigé « Violence et récits, dire, traduire, transmettre le génocide et l'exil » en 2020. Et vous êtes l'auteur de « La voix de ceux qui crient, rencontre avec des demandeurs d'asile » publié en 2018. À l'issue de ce débat, vous pourrez poser des questions aux intervenants. N'hésitez pas à les préparer dès maintenant. Bonne soirée à vous. Bonsoir à tous, merci beaucoup Faustine. On va très directement donner la parole à Catherine Witold de Venden. Je vais juste présenter les intervenants rapidement et puis on poursuivra. Donc Catherine Witold de Venden, effectivement conseillère scientifique de ce cycle et qui est par ailleurs directrice de recherche au CNRS, politologue, qui était dès la première séance avec nous. Delphine Rouillot, donc directrice générale de France Terre d'Asile, et Armando Cote, qui est psychologue clinicien, psychanalyste au Centre Primo Levi, qui travaille donc auprès de demandeurs d'asile et qui est responsable de l'espace enfants et adolescents. Donc, il va nous parler aussi de mineurs isolés, et qui est par ailleurs enseigne au Collège Clinique de Paris. Voilà, je propose que nous passions directement la parole à Catherine. Non, je suis ravie d'être à nouveau parmi vous puisque j'étais là à la première séance qui était une approche globale pour ceux qui étaient venus sur les migrations avec Bertrand Badie donc, qui a présenté la thématique migratoire dans tous ses travaux sur la mondialisation. Ensuite, il y avait Hervé Lebras qui a analysé un certain nombre de critiques statistiques des sources. Et puis moi-même, j'avais présenté la dimension géographique globale et régionale aussi des migrations internationales avec ses facteurs structurels. Donc ça, c'était la première séance. Cette deuxième séance, donc, c'est sur les parcours. Donc on a des cartes qui vont être présentées très bientôt. Il n'y en a que trois ou quatre qu'on avait choisies. Ici, sur les parcours transsahariens, alors il y a ceux du passé, comme vous voyez, et puis du 13e, 16e siècle, et puis les routes de la migration au 21e siècle. Ces cartes sont extraites de l'Atlas des migrations en Méditerranée de l'Antiquité à nos jours, qui est un travail collectif qui a été publié, auquel j'ai participé, publié chez Actes Sud en 2021, et qui nous ont été envoyés par la géographe Virginie Babie-Collin, qui est professeur à l'université d'Aix-Marseille en géographie. Ensuite, on a une autre carte qui va arriver, voilà, sur la Sicile, qui est un point de passage très important en Méditerranée. On a à la fois, effectivement, l'approche, la colonisation de la Sicile par les Grecs, et puis d'un côté, et de l'autre, puisque cet atlas se couvre toute la période de l'Antiquité à nos jours, c'est son thème, en Méditerranée. Et là, l'arrivée des migrants en Sicile,
en 2017. Ensuite, on a une autre carte qui est centrée à la fois sur des échelles très petites, par exemple la vallée de la Roya, dont on parle beaucoup, l'affaire Cédric Héroux et tous les points de passage des migrants qui viennent d'Italie et qui essayent de traverser la France côté alpin. Et puis de l'autre côté, on resitue donc cette micro-analyse géographique dans un contexte global méditerranéen, mais aussi beaucoup plus large, qui couvre toute la région subsaharienne. Et puis la dernière carte, elle est centrée sur un exemple, hein, mais il y en a beaucoup dans l'Atlas, il y a des quantités de formes de migration qu'on analyse. Là, c'est le travail domestique et la migration en Méditerranée au XXIe siècle. Donc on voit à la fois ces migrations qui viennent d'Asie et qui ensuite vont se focaliser sur les pays du Golfe, sur le Proche-Orient et sur notamment l'Italie et l'Espagne, et donc la façon dont les proportions sont représentées dans des camemberts. Donc ça, c'est juste pour donner une idée de ces parcours migratoires que nous avons choisi ces cartes. Et la troisième séance, donc, qui aura lieu au mois de mai, le 23 mai, sera une séance de perspective et prospective avec François Héran, qui est professeur au Collège de France sur les thématiques de migration et société. Ensuite, il y aura également François Gemène, qui enseigne à Sciences Po, mais aussi qui dirige un laboratoire à l'Université de Liège, qui est un politiste et qui parlera des déplacés environnementaux. Et donc ma collègue au CERI, Hélène Thiollet, qui nous parlera des migrations sud-sud, notamment dans le monde et tout particulièrement entre l'Afrique et la région du Golfe. Donc voilà pour cette tentative d'aperçu global, mais aussi parfois un petit peu insolite, des migrations en ce début de XXIe siècle. Merci beaucoup, Catherine. Alors effectivement, comme vous venez de le rappeler, lors de la première séance, on a pu redonner ce cadre international hein, des migrations récentes et rétablir aussi quelques vérités autour des dynamiques internationales, autour des chiffres aussi. Et là, on va rentrer aujourd'hui dans les parcours hein, d'exil et dans les expériences de ces parcours, avec donc Delphine Rouillot, qui est directrice d'une des associations les plus importantes hein, autour de cet accueil et de parcours aussi d'intégration. Donc elle va nous parler de ça. Et puis avec un psychologue clinicien, un psychanalyste qui, lui, va au plus près des voix de ces migrants. Donc on a changé d'échelle quelque part. On va regarder aussi un niveau... au niveau du terrain, au niveau local. On va se promener autour des frontières aussi pour voir d'autres réalités. Et puis, on sera aussi à une échelle peut-être plus subjective de ce qui est dit de ces parcours. Alors, comme entrée en matière, on vous propose de regarder 4 minutes d'un film qui a été présenté ici il y a quelques mois et qui s'appelle « Ailleurs partout », qui est un film assez unique sur la question des parcours d'exil. Pourquoi unique ? Parce que ces deux réalisatrices, Isabelle Ingold et Viviane Perelmutter, ont décidé de filmer tout autre chose que les classiques parcours qu'on voit beaucoup dans les médias, avec des images souvent, certes, très prenantes, mais aussi qui sont saturées de cette violence du parcours. Et l'idée des deux réalisatrices est, à travers uniquement des caméras de surveillance et en suivant la voie d'un jeune Iranien qui part donc d'Iran, qui va traverser, qui va passer par la Turquie, la Grèce, et qui va ensuite arriver à Londres, et on va le suivre pendant sa période d'attente à Londres, va exprimer, raconter son parcours à travers plusieurs voies. Donc vous allez voir un extrait de ce film.
Where did you go next? From Cheshme, we were boarded a boat and we were sent towards one of the Greek islands. How long did you stay in Greece? About a year and a half. On your time in Greece, were you looked after by an agent? When I entered Greece, I made a phone call to the agent in Turkey. He told us to go towards Athens. We took leave paper. By that paper, we were able to leave the island. خاطر پام ولی اون موقع بود که از ایران اومدم بیرون از ایران اومدم بیرون تا صربستان و اینا یه کفش پام بود رفتیم صربستان یه کفش جدید گرفتم بعد کفش من زنم مال پیاده روی اینا نبود خب مرزا هم بخوای رد کنی همش پیاده رویه گریه نکن دیگه او کفشا رو پوشیدم و قشنگ بودن دیگه کیفا و اینا رو مجبور شدیم پرت کنیم مثلا پلیس افتاد دنبالمون حالا مثلا تو ماشین اون موقع خواستیم سوار بشیم مثلا 12 نفر سوار یه ماشین کرد بعد کیف نمیشد کسی با خودش ببره بعد یه کفش ما بود بعد دوباره افتادم تو زندان نمیدونم بقیه مسیر راه و دوباره بعد که آزاد شدم خب مثلا پول نشم اینا کفش رو بگیرم و دیگه همش مثلا اون کفش پامو داد دیگه پامو دعاوون کرد You said in your screening interview that you claimed asylum, but you failed to attend the interview in Greece. Can you tell me why you did not attend the interview? I had to claim asylum because my papers would have been expired. Then the police could have arrested me again for not having any papers to show. That doesn't explain why you were in a safe country and did not follow through on your asylum claim. Can you explain this? Greece is not a safe country. Who said it's a safe country? Voilà, on va vous laisser sur cette énigme. Et si vous voulez voir le film, il faut aller à Montreuil, au cinéma de Montreuil, qui est, où il repasse le 25 mars. Voilà. Je me tourne tout de suite vers Delphine Rouillot. Et avec la question suivante, quand vous regardez par exemple ce film que vous découvrez, hein, si j'ai bien compris, quand vous regardez ces images, est-ce qu'elles disent quelque chose de ces parcours d'exil que vous voyez, de ces personnes, hommes et femmes, que vous recevez.
Bien sûr qu'elles disent quelque chose. Et elles disent quelque chose d'autant plus fortement qu'elles le font avec une émotion et un, dans un dialogue là qui est très particulier. Et ça donne juste très envie d'aller à Montreuil. Si vous me permettez, je voudrais juste dire deux mots sur France Terre d'Asile pour expliquer d'où je parle, pour que vous sachiez un petit peu à quel titre je m'exprime. France Terre d'Asile, c'est une association qui a été créée il y a 50 ans et qui, depuis 50 ans, est présente en France et en Tunisie également et prend en charge des demandeurs d'asile, des réfugiés et des mineurs isolés. Tout au long de leur parcours. Donc on a, on est une structure associative qui accompagne et qui essaye de permettre la meilleure intégration possible de tous ces migrants que vous voyez sur le territoire français. Et puis on a évidemment une mission et un rôle de plaidoyer auquel on tient beaucoup aussi, qui est qu'on ne se veut pas seulement association qui accueille, mais aussi association qui porte dans le débat public des positions, des revendications et qui s'autorise à une parole critique quand ça nous semble nécessaire. Je voudrais juste partager avec vous deux, trois généralités avant de vous parler des parcours. Peut-être même des banalités, mais vous dire d'abord que les personnes, quand elles quittent chez elles, elles ne le font pas de bon cœur. Et que c'est important de toujours garder en tête les raisons qui sont à l'origine de l'exil pour comprendre que ce qui fait qu'on parle de traumatisme du parcours migratoire, de la violence de ces parcours, c'est l'accumulation des raisons du départ, des traumatismes qu'on va rencontrer sur la route, mais je laisserai Armando sans doute raconter ça bien mieux que moi, et puis aussi de la violence qu'on peut rencontrer quand on est mal accueilli en France. Et il y a aussi une violence qui est directement liée à la crise de l'accueil qu'on peut connaître et au fait que, bah, vous le savez très bien, il y a des gens à Paris aujourd'hui qui dorment sous des tentes quand ils arrivent. Et donc en fait, c'est cette accumulation de traumatismes qui peut être particulièrement traumatisante et rendre l'intégration encore plus difficile. La deuxième banalité que je vais partager avec vous, mais qui n'en est pas une parce que trop peu de gens le savent, c'est que les routes d'exil, elles s'arrêtent en général très près de chez soi. Et que la problématique européenne, les enjeux, les questions qui peuvent nous, enfin, traverser notre débat politique aujourd'hui, elles font fi complètement de la réalité de qui sont les réfugiés et de où ils s'installent. Aujourd'hui, le premier pays d'accueil des réfugiés dans le monde, c'est la Turquie. Le deuxième pays, c'est la Colombie. Le troisième pays, c'est le Pakistan. Le quatrième pays, c'est l'Ouganda. Et ensuite, bien l'Allemagne. Et les réfugiés, d'abord, ils bougent au sein de leur pays et ensuite, ils bougent dans les pays voisins. Et ceux qui parviennent à arriver en Europe, en réalité, c'est une petite minorité d'entre eux. Peut-être ceux qui sont les plus résilients, peut-être ceux qui sont les plus riches, parce qu'il faut pouvoir se payer la traversée. Mais en tout cas, les parcours migratoires qu'on voit arriver en Europe et les gens qu'on accueille ne reflètent pas la réalité des enjeux migratoires dans le monde. Et on a une manière un peu auto-centrée forcément de s'interroger sur ces questions-là. Donc voilà, je me permets juste de vous rappeler ça. Puis la troisième banalité, c'est que ce qui rend les routes migratoires complexes, dangereuses, c'est les frontières. Et les frontières, c'est d'abord des frontières physiques, donc c'est les mers, la Méditerranée, la Manche maintenant, c'est les montagnes, vous montriez la vallée de la Roya, les Alpes, si on prend le seul cas de la France, les Alpes, les Pyrénées, enfin, il y a des frontières physiques, et puis après, il y a des frontières politiques, qui sont évidemment en fait les politiques publiques qui sont conduites aux frontières extérieures. Et que c'est véritablement en comprenant l'articulation entre ces frontières physiques et ces frontières politiques, je pense qu'on peut raconter un peu l'histoire des parcours. Alors vous m'avez demandé de vous raconter des parcours en fait un petit peu et d'expliquer les gens tels qu'on les voit arriver, qui sont ces migrants qui arrivent en France. Vous m'arrêtez si je suis trop longue, hein, parce que je voudrais vous proposer de prendre deux exemples, en fait, de partir de qui sont les demandeurs d'asile en France aujourd'hui. Et puis ça me permettra de vous raconter deux routes, en fait. Et puis Catherine, à côté de moi, me complétera si je dis des bêtises. La première nationalité des demandeurs d'asile en France, c'est les Afghans. Il y a un peu plus de 10 000 Afghans par an qui demandent l'asile. Et la route depuis l'Afghanistan vers l'Europe, c'est une route... Alors je ne reviens même pas sur les événements de l'été dernier, on pourra en parler si vous avez des questions, parce qu'il se trouve que France Terre d'Asile, on a participé à cette opération d'accueil. Mais la réalité de la migration des Afghans, ce n'est pas les quelques vols qui ont pu atterrir en Europe, c'est bien évidemment des parcours migratoires extrêmement longs.
et qui sont semées d'embûches parce que de l'Afghanistan, on passe à l'Iran, de l'Iran, on passe en Turquie. Et déjà, entre l'Iran et la Turquie, ben, y a des murs qui sont en train d'être construits, il y a des passeurs, il y a des réseaux qui sont organisés. Mais la Turquie elle-même se protège de l'arrivée des Afghans par l'Iran. Et puis, arrivée en Turquie, je vous disais, la Turquie est le premier pays d'accueil des réfugiés dans le monde. Et ben, la question pour tous les Afghans qui arrivent, c'est ensuite de réussir à rentrer en Europe. Et donc, en fait, les parcours migratoires, ils sont une somme de difficultés à franchir des frontières. Et quelque part, plus on se rapproche de l'Europe, et plus il me semble que c'est de plus en plus difficile. Et je vous dis ça pourquoi ? Je vous dis ça parce que il y a dans le débat politique européen aujourd'hui une tentation, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant ça, d'ériger des murs tout autour de l'Europe et de se barricader nous-mêmes pour empêcher ces personnes d'arriver. Et vous avez, je vous invite à aller voir une déclaration du haut commissaire aux réfugiés qui date d'une demi-heure avant le début de notre réunion, là, de 17 ou 18 heures aujourd'hui, qui en fait s'est érigé contre ça et à un moment vient de publier tout un plaidoyer important pour dire qu'il était urgent que l'Europe se rende compte que cette stratégie de construction de frontières à ses frontières extérieures, enfin de barrières, pardon, de murs à ses frontières extérieures, déjà était un déni des droits de l'homme, était un déni du droit d'asile et de toutes les conventions internationales dont les pays européens sont signataires. Et puis, en réalité, était une chimère par rapport à la réalité de ce dont les personnes avaient besoin. Et tout le monde sait très bien que quand on contourne un mur, aucun mur n'a jamais empêché personne de passer. Ce qui se passe simplement, c'est que la personne cherche à le contourner. Et en réalité, en construisant des murs, on construit des parcours qui sont encore plus risqués, encore plus dangereux, encore plus longs, encore plus chers. Et on n'empêche pas les gens d'arriver, on leur fait juste prendre davantage encore de risques. Donc ça, c'est la route. Et nous, quand on arrive en France, si j'arrive jusqu'à la France, les personnes qu'on voit arriver en France, c'est des gens qui ont vécu ces années-là, qui ont réussi à passer en Europe par la Grèce ou par les pays d'Europe de l'Est, dont vous savez qu'ils sont particulièrement hostiles aux migrants aujourd'hui, qui ont parfois passé plusieurs années en Europe avant de réussir à pouvoir faire instruire leur demande d'asile. Alors il y a des termes un peu juridiques et techniques là-dedans, mais disons que tous les demandeurs d'asile ne peuvent pas choisir le pays européen dans lequel ils vont demander l'asile. Ils doivent respecter une règle qui est celle du règlement de Dublin, qui impose que la demande d'asile soit instruite dans le pays par lequel on est rentré en Europe. Et là encore, c'est pour ça que la géographie et la cartographie dit tout. Il suffit de regarder la carte de l'Europe pour comprendre que c'est évidemment très inéquitable entre tous les pays européens et qu'en fait, cette règle-là est à l'origine, sans doute, et pour moi en tout cas, peut-être le creuset le plus fort de la crise de la solidarité européenne aujourd'hui. C'est que, qu'on soit en Grèce ou en Italie d'un côté ou dans les pays du nord de l'Europe de l'autre, bien évidemment, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes quand on est ou pas responsable de prendre en charge les migrants quand ils arrivent. Donc nous, les gens qu'on voit arriver à Paris, dans les campements, aujourd'hui, je regardais les chiffres ce matin pour vous dire ça, il y a 600 personnes qui dorment sous des tentes à Paris, encore aujourd'hui. Parmi ces personnes, il y a beaucoup d'Afghans, donc beaucoup de ces personnes qui ont pris cette route longue comme ça et qui vont mettre des semaines et des mois, voire des années pour certains, avant d'être hébergés, pris en charge et pour une partie d'entre eux, mais pas la majorité, ensuite protégés par l'État français. Je voulais vous parler d'une deuxième route maintenant. Je vous disais, premier pays de demande d'asile, c'est les Afghans. Donc cette route-là, la deuxième nationalité en 2021, c'est les Guinéens. Et effectivement, il y a une route importante de migration en Europe et en France notamment, qui vient des pays de nos anciennes colonies, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique francophone. Et cette route migratoire-là, elle est, c'est celle qu'on vous a montrée dans... Enfin, là, c'était l'Iran, non, c'est pas la même, mais c'est celle qui en prend la Méditerranée, beaucoup. Et donc, c'est celle qui passant par la Tunisie, passant par la Libye, sont parmi les routes les plus dangereuses parce que les plus exposées, tout simplement, à mourir en mer. Vous savez qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont mortes en Méditerranée l'année dernière, qu'on estime à près de 20 000 le nombre de gens qui sont décédés en Méditerranée ces 20 dernières années.
C'est une route que nous, on connaît à France Terre d'Asile pour une raison un peu particulière, qui est qu'on a des bureaux en Tunisie, je vous le disais en introduction. Et donc, on est présent à Sfax. Et Sfax, c'est la ville de Tunisie, un petit peu au sud de Tunis, qui est la plus proche de Lampedusa. Et donc, c'est depuis Sfax qu'on voit les bateaux partir voilà, tous les soirs, toutes les nuits, et qu'on mesure à quel point... en réalité, il y a beaucoup de paradoxes dans les politiques publiques des pays du Maghreb, et en tout cas de la Tunisie, puisqu'on voit actuellement, ça c'est des choses très constatées récemment, à quel point en réalité les gardes-côtes en Tunisie laissent partir les Tunisiens, empêchent les migrants d'Afrique de l'Ouest et laissent filer les Tunisiens dans cette espèce de tentation d'aller chercher une vie meilleure en Europe. Et donc, on est là, on est présent, on essaye de faire un peu d'information, d'accès aux droits, d'apporter un peu d'aide humanitaire, de s'occuper de beaucoup de mineurs non accompagnés, parce que beaucoup de mineurs non accompagnés qui arrivent en France et en Europe viennent de ces pays d'Afrique de l'Ouest. Mais on est confronté à un désespoir tel que... Il n'est pas question pour nous d'essayer de décourager les gens de partir. L'enjeu, ce n'est pas de les décourager de partir, c'est de leur permettre de trouver des voies sécurisées d'accès. Et ce pourquoi nous, on milite le plus, c'est d'essayer d'apporter dans le débat public des solutions pour éviter que, plutôt que de se jeter dans ces bateaux, dans ces rafios et de risquer ces routes que l'on connaît, les États européens et leurs partenaires du Sud pensent des solutions pour... ouvrir l'accès au territoire français, ce qu'on appelle des voies légales dans notre jargon, pour éviter justement ces parcours traumatiques et dangereux. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Formidable. Ce que je retiens, c'est d'abord la violence des frontières. La violence dans les pays d'origine, la violence du parcours lui-même et peut-être aussi une violence dans le pays d'accueil qui va se redoubler donc d'une autre manière. Alors justement, Armande Docoté, est-ce que vous pourriez nous parler également de ces parcours que vous voyez vous arriver jusqu'à l'association Primo Levi, et peut-être nous parler également, enfin commencer par nous présenter ce cadre tout à fait spécifique qui est le vôtre. Oui, donc alors l'association Primo Levi donc a été créée en 1995. Et autour de cette question qu'on a entendue tout à l'heure dans l'extrait que vous avez montré, c'est la question de la langue. C'est-à-dire la directrice actuelle travaillait pour notre association où il n'y avait que la question médicale qui était au centre. Donc c'est la question de la biopolitique où il y a quel corps qui compte, donc les médecins sont toujours présents. Mais il y a ces parties silencieuses qu'on n'entend pas, justement la voix qu'on n'entend pas. Parce qu'il y a des choses qui échappent justement au regard médical. Et c'est toute la question du trauma qui ne peut pas être ni vu par la médecine, ni entendu de façon courante. Donc les centres étaient créés en 1995 et actuellement nous recevons quelques chiffres rapidement. Nous sommes une petite équipe. Des 17 personnes, donc il y a 2 accueillantes, 3 médecins, 7 psychologues, un kiné, 2 assistants sociaux, un juriste et une directrice. Donc quelques chiffres, donc effectivement l'année dernière 103 000 demandes d'asile en France, 89 000 des premières demandes. Donc les centres, nous recevons seulement 400 personnes qui ont été prises en charge l'année dernière. Et c'est une volonté de notre association parce que nous travaillons aussi pour la transmission. Donc nous avons un centre de formation, je vous invite à voir les sites, et un centre de mobilisation aussi où on écrit énormément. Il y a des publications, la revue Mémoire, des colloques. Et ce qu'on voit justement dans ces personnes qui arrivent au centre, c'est les silences et la... quelque chose qui est très frappant, c'est que, ça a été dit dans la première séquence, c'est que ce sont des personnes qui échappent au comptage et au regard des cartes. C'est-à-dire que si on ne peut pas savoir qu'ils sont présents sur les territoires, en fait. Et donc, c'est très important des centres comme les nôtres, dans ce sens-là, parce qu'une fois qu'ils sont inscrits, ils sont inscrits quelque part. Et là, ils vont pouvoir surtout parler dans la langue maternelle, parce que notre point fort depuis la création, c'est que
dès l'arrivée, ils peuvent être reçus avec un interprète professionnel. Ils parlaient dans la langue maternelle. Donc, nous recevons 46 nationalités différentes. Et donc, il n'y a pas de différence entre les enfants et les adultes. Donc, et toute personne peut se présenter. Et les suivis, j'ai travaillé depuis 2005. Au début, c'était plus court. Je pense que c'est dû à tout ce qui a été dit. C'est-à-dire que maintenant, l'arrivée en France est beaucoup plus longue. Et les personnes arrivent beaucoup plus abîmées, avec beaucoup plus de symptômes. Et ensuite, c'est l'accueil en France qui... Il n'y a pas d'accueil, en fait. Il n'y a pas une volonté politique, quelque chose où on puisse mettre en place un accueil correct concernant la question de la santé mentale. Donc la santé mentale dans la migration, c'est quelque chose qui n'existait pas. On essaye de faire entendre ça, donc... Je remercie vraiment l'invitation qu'on puisse faire ce type de rencontres parce que justement ce sont des choses dont on n'en parle pas mais qu'on voit, on voit les effets et notamment par rapport à ces publics, je pense qu'aujourd'hui c'est celui qui font le plus de bruit, c'est ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, terme un peu étrange qu'on essaye de mettre son politique pour ne pas prendre en charge des enfants en danger en fait. Parce que quand on voit les histoires individuelles, ce sont des enfants qui ont dû fuir les pays pour multiples raisons. Avant, ils pouvaient arriver beaucoup plus vite en Europe. Maintenant, les parcours migratoires font qu'ils arrivent déjà étant majeurs, donc il n'y a plus de prise en charge. Donc aujourd'hui, l'asile politique est devenue une machine à créer de la précarité, de la vulnérabilité. Donc nous travaillons beaucoup avec l'aide sociale à l'enfance, avec la PJJ, parce que quand ils ne sont pas pris en charge par la santé, malheureusement, ils se tournent vers des actions criminelles ou n'est pas accepté pour être pris en charge par la police. Et même la police est consciente de ça, parce que parfois, c'est une façon de que quelqu'un puisse compter pour quelqu'un, en quelque sorte. Donc, bon, c'est la première chose que je peux dire par rapport à ça, c'est pour introduire un peu la discussion. Voilà. Tout à fait. Alors, ce qu'on entend, effectivement, c'est qu'il y a une double violence. Il y a, bien sûr, la violence vécue, et puis, de l'autre côté, une politique de plus en plus répressive, peut-être de plus en plus sécuritaire, qui, finalement, redouble à nouveau toutes ces violences, des violences politiques, des violences psychiques, celles que vous traitez. Et alors, pour revenir un petit peu sur ces parcours, vous avez présenté le bureau de Tunisie, c'est particulièrement intéressant, c'est-à-dire c'est un volet, nous, qu'on ne voit pas, en tout cas, qui est rarement présenté, finalement. Est-ce que vous verriez une évolution, en particulier depuis 2015, de ces formes de violence? Est-ce que les problématiques évoluent avec les changements justement de route migratoire, de politique, et aujourd'hui quelles sont les priorités pour une association comme les vôtres en face de ces parcours? C'est pas forcément la Tunisie qui a évolué, mais ce qui est sûr c'est que les routes évoluent d'abord avec les conflits géopolitiques. Enfin, il faut bien mesurer que la situation, enfin 2015-2016, c'était bien évidemment la guerre en Syrie, mais en même temps, ce que par exemple on ne dit pas souvent, c'est que ce qui s'est passé en 2015 avec l'ouverture des frontières entre la Turquie et la Grèce, c'est aussi que beaucoup d'Afghans qui n'ont rien à voir avec la guerre en Syrie sont rentrés en Europe à cette occasion-là. Donc en réalité, on explique beaucoup la grande poussée, augmentation du nombre de demandeurs d'asile en 2015 par la guerre en Syrie, mais derrière, ce n'est pas uniquement des Syriens qui sont arrivés, et ça, il faut bien le mesurer. Donc, ce qui change beaucoup depuis 2015, moi, je vous dirais, c'est les politiques européennes. En fait, là où on a un vrai... Et les politiques publiques nationales françaises aussi, peut-être, mais là où on a un vrai problème, c'est qu'on a une crispation politique extraordinairement... enfin très grave, quoi, très sérieuse en Europe, que ça concerne pas uniquement des pays
de l'Europe de l'Est, qu'on peut, voilà, qui sont certes des démocraties, mais enfin qui sont des démocraties d'un style un petit peu particulier, mais que ça concerne vraiment aujourd'hui les social-démocraties qui ont été au cœur du projet européen. Ça a pu concerner l'Italie à un moment donné, ça concerne aujourd'hui le Danemark, les Pays-Bas. Bon, je ne parle même pas de la sortie du Royaume-Uni qui pose d'autres difficultés, mais on a aujourd'hui une crise du projet européen et que cette question migratoire rend particulièrement visible. Donc, voilà, si vous me donnez l'occasion de vous dire un petit peu ce à quoi nous, ce pourquoi on milite, on est aujourd'hui convaincu qu'on ne réussira pas à améliorer l'accueil, à sortir effectivement de cette crise de l'accueil qui est réelle en France, pour notamment toutes ces personnes qui relèvent du règlement de Dublin dont je vous parlais et qui peuvent passer 2-3 ans à errer avant d'avoir le droit à un hébergement, sans solidarité européenne et donc sans qu'un noyau dur de pays européens, dont la France, dont l'Allemagne, dont l'Italie, dont l'Espagne, enfin vous voyez, donc ces grandes nations qui sont à l'origine du projet européen, si à un moment donné elles ne sont pas capables de se mettre autour de la table et de reconnaître que on est en train de tuer le projet européen en laissant cette espèce de crainte irrationnelle de l'immigration. Pousser à ces violations des droits de l'homme dont je vous parlais et cette banalisation que Filippo Grandi tout à l'heure dénonçait, parce qu'en fait quelque part pire encore que la violation des droits de l'homme, c'est leur banalisation qui pose, enfin c'est la banalisation qui pose problème, parce que quand on banalise, en fait on accepte et on est progressivement en train de laisser l'Europe se construire comme une forteresse et non plus comme un lieu de paix et d'accueil, quoi. Est-ce que vous avez un pourcentage entre ces personnes qui arrivent et que vous voyez, par exemple, que vous recevez dans vos centres, est-ce que vous avez un pourcentage de femmes, par exemple ? Alors, en fait, la migration est beaucoup plus féminine qu'on ne croit. En fait, on est à peu près à une petite moitié, je dirais, c'est ça, de femmes. Simplement, les femmes viennent plus souvent en famille, c'est-à-dire qu'il y a moins de femmes seules, ça c'est une réalité. Il y a moins de femmes chez les mineurs isolés aussi, évidemment, moins de jeunes femmes. Mais pour autant, non, la migration est très mixte, beaucoup plus mixte que l'image qu'on peut en avoir. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand vous voyez les campements parisiens, je vous parle de ça parce que c'est souvent ce que les gens ont comme représentation, mais les femmes sont beaucoup mieux hébergées, beaucoup mieux protégées. Malgré tout, il y a de la part des collectivités et des services de l'État quand même un réflexe de protéger les femmes avec enfants prioritairement. Et donc les femmes sont moins visibles parce que soit mieux protégées, soit parce qu'elles sont, mais là vous en parlerez beaucoup mieux que moi, embarquées dans des réseaux de prostitution, et on a des engagements très forts aussi parce que contre la traite des êtres humains et les réseaux de prostitution, parce qu'on mesure à quel point il y a beaucoup de migrations de femmes qui en fait se retrouvent, notamment les femmes du Nigeria, c'est très connu pour ça, se retrouvent embarquées dans des réseaux de prostitution, notamment quand elles arrivent en Italie, et ensuite on les accueille en France, et elles sont en réalité complètement sous la coupe des proxénètes qui se font passer pour leur mari, et donc il y a tout un travail d'accompagnement et de libération de la parole qui est particulièrement difficile pour justement permettre à ces femmes de s'extirper de ces réseaux-là. Vous parlez d'une problématique actuelle, par exemple à Vintimille et dans un certain nombre de lieux de passage en Italie. Alors justement, je revenais sur la question des femmes, parce que dans ces parcours qui sont d'une grande violence, qui sont aussi là pour fuir une forme de violence structurelle, politique, etc., finalement, et probablement lorsqu'on les écoute, on entend aussi des acteurs quelque part qui... auxquels il a fallu vraiment des formes de puissance d'agir. Là, je reprends un terme qui est celui d'Étienne Tassin, qui voilà, pour partir, pour faire ces traversées qu'on sait totalement mortifères, au prix de séparations familiales et de pertes familiales d'une extrême violence. Alors, cette autre réalité-là du parcours d'exil, qui est celle que vous rencontrez à mon côté dans vos consultations, voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire, et peut-être vous pouvez nous raconter un de ces parcours d'exil ou celui d'un mineur, par exemple, puisque ce sont autour de ces récits-là que vous travaillez. Alors oui, peut-être donc à dire, il y a la question de, que j'ai pas dit tout à l'heure, le doux silence et la difficulté, la demande, de poser une demande des soins, parce que s'il y a une particularité dans ces suivis, c'est quand on va mal, on appelle un médecin, on prend rendez-vous, etc. Il y a une particularité, c'est justement de toutes ces suspicions, toutes ces traversées,
même s'ils vont mal, même s'ils souffrent, ce qu'on remarque, et la plupart des personnes qui l'accompagnent, c'est qu'ils ne disent rien, ils ne demandent rien. Que la demande vient d'un autre, d'un tiers, d'un accompagnateur, et ça rend l'accompagnement beaucoup plus difficile. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte, parce que souvent, même au ministère de la Santé, ils disent, mais c'est bizarre, ils sont là, mais ils ne viennent pas, ils ne vont pas à l'hôpital, etc. Ils vont simplement dans les cas graves. L'exemple le plus frappant, c'est les femmes qui tombent enceintes et que d'un coup, dans les PMI, quand on travaille avec les PMI, ils disent, mais vous êtes là depuis quand? Et ça fait plusieurs années qu'ils sont en France, avec des souffrances psychiques énormes, mais c'est seulement au moment d'une grossesse qu'il apparaît quelque chose qui n'est pas, même pas, on demande des soins psychiques. Donc peut-être, oui, il y a cette double temporalité entre le parcours migratoire, l'arrivée sur les territoires et la demande d'asile qui est en soi aussi quelque chose de très violent, du fait du récit, de l'écriture, de la vie, et en même temps quelque chose qu'on veut oublier. J'avais préparé un cas que je vais commenter rapidement, justement d'une jeune femme d'origine congolaise qui a eu un peu le parcours du jeune qui a ouvert aujourd'hui cette session. Donc, alors, elle est partie à 17 ans. Et elle dit que c'est quelqu'un que je suis, c'est une des premières patientes que j'ai eues au centre. Et à la différence de beaucoup d'autres jeunes, elle a eu une enfance plutôt heureuse, tranquille. Elle avait une enfance où elle aurait pu rester au pays. Et ça, c'est important, parce que parfois, ils disent, bon, ils sont venus en France ou en Europe pour travailler, parce qu'ils voulaient avoir un futur meilleur, mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'enfants qui auraient pu rester au pays. Et elle a dû partir parce que son fiancé a été en prison. Et depuis la prison, ils ont su qu'elle était sa fiancée. Ils ont voulu enlever, kidnapper et aussi torturer pour des raisons politiques. Donc la famille décide de payer un passeur et l'envoyer en Turquie. Et c'est là où aussi basculer à nouveau sa vie, parce que les passeurs abuser d'elle sexuellement. Et elle va devoir rester en Turquie pendant un an et demi. Donc elle va se retrouver à 19 ans avec un enfant là-bas. Et après, se pose toute la question de rejoindre l'Europe à ce moment-là. Donc là, il y a ces fameuses traversées de la Méditerranée dont on en parle beaucoup et qu'elle m'a raconté plusieurs fois, parce que c'était un moment très difficile. Elle a passé 10 heures donc, dans la Méditerranée. Elle reviendra en séance. Et effectivement, ce sont des moments très forts. Elle réussit par hasard. On dit que c'est une survivante. Elle arrive par hasard dans son île grecque. Et là, il commence un nouveau parcours. Donc, c'est comment rejoindre la France, tout ce qu'on vient de dire. Et elle finit par arriver, payer un passeur, et arriver à Barbès, où il n'y a pas d'accueil. C'est ça qui est... Dans ce parcours, ce qui est terrible, c'est qu'à chaque pays qui arrive en Europe, il n'y a pas un accueil. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a ces biolégitimités, comme Didier Fassin appelle très bien ça. C'est-à-dire qu'il faut... Pour qu'on puisse être pris en charge, il faut être légitime pour les territoires. Ça veut dire tout simplement avoir des papiers. Dans des cas comme ça, ce qu'ils décrivent, c'est justement ça. Donc, elle arrive à Barbès, encore un parcours difficile à Paris. Elle est amenée au commissariat. Et au commissariat, donc, elle parcourt des foyers. D'un foyer d'accueil, d'urgence, etc. Donc, jusqu'à 6 mois, jusqu'à qu'elle arrive en CADA, donc un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ce qui aurait dû arriver dès l'arrivée en France, en fait. Parce qu'il faut savoir que le problème de l'hébergement, c'est un des problèmes les plus graves et les plus difficiles, et qui, en tout cas pour nous soignants, pose beaucoup plus de problèmes pour les soins. Donc c'est le CADA, donc le centre, qui nous l'adresse, parce qu'on travaille beaucoup avec les CADA. Et là, on commence un travail qui va durer 5 ans. 5 ans où elle va être déboutée,
de l'OFPRA, de la CNDA. Et donc, il y a à nouveau, il y a toute la question, alors qu'on avait réussi à une stabilité quand même pendant ses séjours au CADA, il a pu raconter tout son parcours, reprendre contact avec sa famille, des moments très importants, très forts, et qu'ils ne peuvent pas faire s'il n'y a pas un point fixe. Et donc, à ces moments-là, il allait plutôt bien, mais la demande d'asile n'a pas marché. Donc, il travaillait avec les CADA pour sortir du CADA, donc à nouveau dans la rue. Et finalement, il a obtenu... Donc, on a dû travailler. C'est un travail spécifique aussi qu'on ne peut pas faire dans un CMPP ou ailleurs. C'est qu'il faut des juristes spécialisés et des assistants sociaux qui puissent soutenir les soignants. Autrement, on est débordé au niveau psychologique ou médical. On ne peut pas faire le travail parce qu'il y a tellement de choses à travailler que s'il n'y a pas le soutien des collègues, on ne peut pas les faire. Donc, j'ai pu travailler avec cette dame et son enfant grâce à mes collègues qui ont trouvé un hébergement. Et seulement 5 ans après du suivi qu'on a eu au centre Primo Levi, ça veut dire qu'elle est venue une fois par semaine avec son enfant. Et elle a été régularisée après, grâce à son enfant. Ça, c'est un autre paradoxe de la France. C'est-à-dire que comme elle n'a pas été reconnue, c'est parce que son enfant a été scolarisé pendant 5 ans à l'école que la France lui a dit, bon, vous pouvez rester. Et quelque chose a commencé, un nouveau parcours, rechercher un travail. Et son fils, elle est passée l'année dernière, donc son fils va avoir les bacs. Il va s'inscrire en droit. Il est marié, il a 2 enfants maintenant. Voilà. Je vais raconter une histoire qui finit bien. Oui. Il y en a quand même. En montrant toute la complexité, hein, effectivement, ce n'est pas seulement, la problématique psychotraumatique, mais c'est l'incroyable précarité économique, le fait de ne pas avoir un toit, et ne pas avoir un toit vous plonge dans une détresse. Voilà, tout à fait spécifique. C'est la question des droits, et en particulier la question du droit d'asile, et puis ces paradoxes, effectivement, du droit, puisqu'il y a des modes de régularisation ou par le travail ou par la scolarisation des enfants, par exemple. Mais là, ça suppose d'attendre ou de pouvoir attendre ou d'avoir la possibilité psychique d'attendre, souvent dans des situations extrêmement difficile, même psychologiquement. Alors justement, Delphine Rouillot, FTDA est un des opérateurs de l'État pour des centres d'accueil. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment ça se passe? Oui, tout à fait, parce que je vous écoutais et ça fait évidemment écho à des choses que l'on connaît au quotidien. On estime aujourd'hui qu'il y a encore un demandeur d'asile sur 2 qui n'est pas hébergé. C'est-à-dire que même s'il faut reconnaître qu'il y a des efforts financiers réels qui ont été faits par l'État ces dernières années, il y a eu près de 50 000 places de centres d'accueil qui ont été créées. Donc je veux dire, on est obligé de reconnaître que des moyens financiers ont été mis. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est très largement insuffisant. Et donc on continue à vivre dans ce système où effectivement les gens rentrent en centre d'accueil, dans les CADA, bien trop tardivement par rapport à leur date d'arrivée. Et donc ils ont des premières semaines à la rue, puis éventuellement des semaines à l'hôtel, dans des hôtels sociaux par le 115, et puis au bout d'un moment ils finissent par pouvoir être correctement pris en charge. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est dans les CADA qu'il y a des travailleurs sociaux. Donc c'est dans les CADA que les personnes, elles ont un logement, elles ont la possibilité d'inscrire les enfants à l'école. Elles n'ont pas tout, parce qu'aujourd'hui, un des sujets qui nous préoccupe beaucoup, c'est le fait qu'on n'a pas le droit de leur payer des cours de français. C'est-à-dire que le cadre juridique des centres d'accueil fait que l'apprentissage du français est réservé aux personnes qui obtiennent le statut de réfugié. Il y a dans l'esprit des concepteurs de ces règlements l'idée que tant que la personne n'a pas des papiers et qu'elle n'est pas en situation définitivement régulière sur le territoire français, on ne va quand même pas lui apprendre le français au risque qu'elle ait envie de rester alors qu'elle aurait été déboutée de sa demande. Et donc ça, c'est un vrai sujet et c'est une vraie difficulté pour l'intégration parce que en fait, on fait perdre du temps à des gens qui, exactement comme ce que vous venez de nous raconter là, quand bien même ils n'auront pas le statut de réfugié,
Beaucoup d'entre eux finiront par rester quand même. Et donc, en fait, on perd des années. Donc, c'est compliqué pour les gens, c'est compliqué pour leurs enfants, d'avoir des parents qui ne parlent pas la langue. Voilà. Donc, ça, c'est le premier frein à l'intégration qu'on voit dans les centres d'accueil. Le deuxième frein à l'intégration qu'on voit, c'est la prise en charge, effectivement, des soins et des soins psychologiques, psychiques et psychologiques. Il y a une réforme qui est passée il y a quelques mois qui... il y a deux ans maintenant, qui a créé ce qu'on appelle un délai de carence pour la prise en charge des soins maladie, l'accès à la protection maladie, qui fait que les trois premiers mois, les demandeurs d'asile, quand ils arrivent en France, ils n'ont pas moyen d'aller chez le médecin et d'être remboursés. Donc en fait, ça précarise encore plus et ça pousse à effectivement être très mal accompagné, très mal pris en charge. Et puis derrière, il y a de toute façon le fait que les soins psychologiques ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, mais ça c'est vrai pour vous et moi aussi. Mais bien évidemment, ces besoins particuliers dans nos centres d'accueil, ça nous oblige à bricoler des solutions, à trouver des psychiatres ou des psychologues particulièrement... engagés, motivés, parce que on n'a pas le cadre public de la bonne prise en charge dans les centres. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ce que je vais aussi rajouter peut-être avant de m'arrêter, c'est que il y a un engagement de l'État ces dernières années, et notamment là ces deux dernières années, à accélérer les délais d'instruction de la demande d'asile. Alors ça peut paraître un peu pénible comme ça, mais fut un temps, on mettait 18 mois entre le moment où on déposait sa demande d'asile et le moment où on obtenait la réponse. Et ces 18 mois, c'est du temps d'attente. Les gens sont dans le centre d'accueil. En fait, ils sont suspendus en l'air comme ça, à pas savoir ce qui va advenir d'eux. Et donc, l'État a mis les moyens pour accélérer ces rendus de décision. C'est une très bonne chose. Alors, il y a évidemment une volonté financière derrière aussi, de faire tourner les gens plus vite dans les centres. Mais nous, on est favorable à ça. Sauf que ce que ça emporte comme conséquence, c'est que les personnes, comme elles auront été accompagnées moins longtemps par nos travailleurs sociaux dans les centres, elles vont obtenir le statut de réfugié plus rapidement et donc en étant plus éloignées encore de l'intégration. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que ces durées très longues dans les centres d'accueil, c'était aussi des temps de répit, des temps pour se poser, des temps pour commencer à se projeter. Et on risque, dans les prochaines années, d'être confronté à un nouveau type de difficulté. C'est des réfugiés qui sont certes en situation régulière sur le territoire, mais encore moins préparés qu'avant pour trouver un logement, trouver un emploi, parler la langue. Et donc, en fait, ça nous oblige à accélérer et à demander des moyens supplémentaires pour accélérer et anticiper l'intégration dès le premier jour, dès l'arrivée sur le territoire, parce que c'est l'espèce d'effet pervers, mais en même temps très positif, de cette accélération des rendus de décision. Et alors, dans vos derniers plaidoyers ou dans vos dernières luttes, entre guillemets, quels sont les points importants que vous aimeriez obtenir? Je vous en ai dit quelques-uns déjà. Je pense qu'il y a... Bon, on a deux sujets principaux. On a cette question de l'intégration dès le premier jour qui a un vrai changement de philosophie de l'accueil, c'est-à-dire on assume en tant que société que les gens qui arrivent sur notre territoire, en fait, on a tous collectivement à gagner à ce qu'ils soient en capacité de s'intégrer le plus rapidement possible et que cette attente-là ne perd pas de... Voilà. Et puis après, on a des sujets de plaidoyer plus précis. On s'intéresse beaucoup à ce qui se passe aux frontières, on s'intéresse à ce qui se passe à Calais, on essaye de... Enfin, on a, nous, France Terre d'Asile, une volonté d'améliorer l'accueil, d'accompagner aussi l'État, parce qu'on est financé par l'État pour faire tout ce qu'on fait. Et comme je vous le disais, il y a des efforts qui ont été faits, et c'est important de le savoir pour ne pas être uniquement dans l'analyse critique, mais il y a aussi des endroits où on considère... Sachant que les problématiques sont très différentes. Par exemple, vous venez de parler de Calais. Là, on est sur une problématique de transit, finalement, plutôt que d'intégration, comme celle dont vous parliez tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que vous faites à Calais? Alors, nous, en tant qu'acteurs à Calais, on fait des maraudes pour les jeunes, pour les mineurs non accompagnés, justement, où on essaye d'aller repérer les enfants qui sont seuls, et on les emmène dans un centre d'hébergement un peu à l'écart pour essayer de les protéger. La situation à Calais, en fait, elle est en train de se dégrader très très rapidement en raison du Brexit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand le Royaume-Uni était encore dans l'Union européenne, il existait des voies d'accès, notamment pour les enfants non accompagnés,
au Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'ils pouvaient, s'ils arrivaient à faire la démonstration qu'ils avaient un proche, quelqu'un de leur famille qui était au Royaume-Uni, on avait des solutions pour leur permettre de prendre le train, quoi, grosso modo, et d'éviter de monter dans des bateaux. Et ça, tout ça, c'est tombé, ça a disparu quand les accords du Brexit ont été signés, parce que les questions migratoires ont été sorties du paquet de négociations du Brexit, et qu'en fait, le Royaume-Uni a quitté l'Europe sans que ne soit réfléchi à aucun moment et ne soit discuté à aucun moment l'impact que ça pourrait avoir sur les gens qui voulaient quitter l'Europe pour rejoindre le Royaume-Uni. Et donc aujourd'hui à Calais, on a effectivement des gens qui cherchent à rejoindre le Royaume-Uni, qui n'ont aucune autre solution que de tenter ces traversées en bateau, puisque la politique du gouvernement britannique est extrêmement fermée par rapport à ça, que la France a récupéré s'est vu transférer dans des accords bilatéraux, c'est un petit peu compliqué, mais la compétence de la gestion de la frontière, c'est-à-dire que depuis l'ouverture du tunnel sous la Manche, depuis le fait qu'on ait créé une frontière terrestre entre la France et le Royaume-Uni, il y a des accords qui ont progressivement été développés et construits entre la France et le Royaume-Uni, qui font que c'est à la France de gérer la question frontalière entre le Royaume-Uni et la France. Et donc, en fait, on se retrouve, nous, à devoir prendre en charge des gens qui, pour certains, ne souhaitent pas rester en France, sans avoir d'outils de négociation avec les Britanniques actuellement pour essayer de leur permettre de rejoindre le Royaume-Uni. Donc on a un vrai sujet, et à côté de ça, il y a aussi... de négociation diplomatique, en fait. Hein, c'est un problème diplomatique, cette question calaisienne. Et puis il y a un sujet quand même de non-accueil et de violence à Calais, parce que c'est pas parce que ces gens, pour beaucoup d'entre eux, souhaitent quitter la France... On est censé les traiter de la manière dont on les traite à Calais aujourd'hui. Oui, avec des formes de violence, dont des formes de violence policière contre tout point d'installation. Sur une population, effectivement, il y a beaucoup de jeunes, dont par exemple de très jeunes érythréens, etc. Et une population qui change aussi beaucoup, puisqu'en ce moment, il y a une grande proportion de population soudanaise à Calais, sachant que plutôt autour de Grande-Synthe, là, vous avez une population de Kurdes, voilà, etc. Donc des changeantes et jeunes, et avec effectivement des formes de violence là qui sont tout à fait particulières à ces frontières-là dont vous avez parlé, qui sont finalement bloquées après les accords de Touquet et autres. Voilà. Alors justement, j'ai envie de vous poser la même question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les actions de plaidoyer, puisque vous en avez parlé de Primo Levi, ça serait quoi ? Et d'ailleurs, celle dont vous avez parlé, typiquement, apprendre le français le plus tôt possible. On a des voisins qui le pratiquent et qui ont pratiqué. L'Allemagne, de ce point de vue-là, avait permis un enseignement très important de l'allemand aux demandeurs d'asile. Donc on a des voisins qui ont d'autres politiques qui sont intéressantes, ou même des politiques de travail possibles, bien d'accès au travail, à l'emploi, qui est quand même un élément absolument essentiel, pour le demandeur d'asile, qui lui permet d'éviter cette situation d'attente totalement dégradante au niveau psychologique et souvent en termes de précarité. Donc quel serait pour Primo Levi les actions principales à mener aujourd'hui dans un contexte qui est adverse en termes politiques? Alors, j'invite à tous de pouvoir aller sous les sites. Il y a beaucoup d'écrits déjà, des plaidoyers que nous avons faits en 2013, 2018 autour de ces questions. Aujourd'hui, il y a la question il y a une fracture numérique, quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle forme de violence qui pour l'accès au droit d'asile. Et avant, on voyait les queues, les personnes qui faisaient la queue à la préfecture, etc. Ça a disparu. C'est pas parce qu'ils travaillent beaucoup plus, c'est parce qu'on n'a pas accès à la préfecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut prendre les rendez-vous par Internet. Donc déjà, il faut avoir un ordinateur, il faut avoir un accès à Internet. Quand on a tout ça, on se rend compte qu'on ne peut pas prendre rendez-vous. Je pense que c'est quelque chose qui est une façon d'une forme de violence et cruauté, c'est-à-dire que c'est un non-accès au droit, déjà. Et donc je trouve que ça, déjà, il faut dénoncer ça de façon très forte, et beaucoup d'associations le font, parce que ça va empêcher toute la question pour ces personnes qui arrivent sur les territoires européens et français. La question d'avoir accès au papier, c'est essentiel. C'est-à-dire que même les soins psychiques passent par là. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que
même si on propose un lieu d'écoute à un médecin, etc., du moment que la question est très reconnue par l'État, un tas qui est victime, n'a pas été résolue, ou la question des papiers, il y a quelque chose qui, malgré tous les efforts qu'on fasse, ne pourra pas avancer. L'autre, c'est effectivement un accès à l'écoute et à la santé qui soit développé de façon beaucoup plus rapide et directe pour les mineurs non accompagnés. C'est-à-dire que je pense que du fait que c'est le ministère de l'Intérieur, donc il y a la question de la sécurité qui gère ça, ils ne tiennent pas compte de la question de la santé. Parce qu'ils sont des enfants qui, concrètement, quand on travaille avec eux en direct, la première chose qu'ils ont besoin sont des soins. Et parce que ce n'est pas une question d'intégration. C'est-à-dire que même s'ils sont reconnus mineurs, ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, on nie qu'il y a un problème de santé publique. Et ça, même quand on introduit la question de « il faut s'intégrer », on voit qu'ils ne peuvent pas parce que, concrètement, psychologiquement, après tous les parcours, tout ce qu'on a vu, comment un enfant va pouvoir devenir comme un adolescent ou un adulte lambda avec un passé, un tel passé, sans un appui et sans un accompagnement au niveau des soins. Et d'un soin qui soit proposé et dont ils puissent choisir en plus. Parce que parfois, ce sont des soins imposés. Nous avons participé à beaucoup d'ouvertures, des centres pour des mineurs non accompagnés qui ne marchent pas parce que ce sont des parcours qui sont en quelque sorte imposés. Il faut que tu ailles parler à un psy, il faut que tu ailles voir un médecin, alors qu'il n'y a pas ces possibilités comme nous avons, de pouvoir prendre le temps et s'adresser à quelqu'un. Donc c'est vraiment, il me semble, et Primo Levi l'a dit depuis plusieurs années, c'est un problème de santé publique, tout simplement, qui, effectivement, quand on ne prend pas en charge ça, la question de la santé mentale, les effets, c'est après des symptômes sociaux, c'est-à-dire que ces enfants, nous font beaucoup de formations à Strasbourg, à Nantes, etc. Ces enfants qui ne sont pas pris en charge, finalement, et finissent dans des réseaux pour les jeunes filles, des prostitutions, pour les enfants, trafic des drogues, etc. Parce que c'est une façon d'organisation. Là, c'est plus organisé que l'État. Là où l'État ne s'organise pas, il y a d'autres organisations qui vont proposer des choses où, et finalement, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là où je pense que maintenant, c'est pour ça qu'il y a une tension, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience, surtout par rapport aux mineurs, où il faut qu'elles fassent quelque chose. Que si on ne les fait pas, on va payer les conséquences de la non-prise en charge après coup, dans les générations à venir. De populations qui sont effectivement sur le territoire. Hein. La question de Dublin, donc, qui fait que, en principe, revient dans le pays d'accueil. Le premier pays d'accueil européen, ceux qui ont pris leurs empreintes, on sait qu'il n'y a jamais eu plus de 10% de retour effectif. Donc les personnes en général restent sur le territoire. Donc effectivement, vous parlez d'une question de santé publique. C'est très intéressant, à mon avis, d'avoir soulevé la question de cette nouvelle violence qui est la violence numérique. Il y a, et c'est la même dans le fil de ce que vous avez dit sur la question de l'accès à l'information, par exemple. Qui est une question qui a toujours été terriblement limitante. Hein. L'accès au droit, l'accès à l'information fait que des personnes restent sans pouvoir demander l'asile dans de bonnes conditions et du coup sont écartées ensuite d'un espèce de parcours d'asile cette fois-ci, non plus un parcours d'exil, mais un parcours d'asile qui a son format et un format qui très vite peut être limité. Et donc, vous avez rappelé effectivement qu'il y a cette question de l'accès à l'information qui avait déjà été limitée par les plateformes téléphoniques mises en place pour avoir accès au guichet unique de demande d'asile, d'autant plus limitante cette plateforme que lorsque vous appeliez, vous aviez en fait en tout et pour tout trois langues, hein, l'anglais, le français et l'arabe, et ensuite éventuellement deux autres langues en plus. Mais en fait, on est en face d'une diversité de langues qui a fait l'objet d'un déni des politiques publiques totales. Et ensuite,
après le Covid. Alors, c'est une question que je voulais vous poser, puisqu'on n'a pas encore parlé du Covid, alors que, pourtant, la question du Covid et de cette période Covid extrêmement particulière, finalement, où toute une partie de la population en camp ou en campement s'est retrouvée de manière intenable, quelque part, sur ces camps et ces campements, donc qui a fait l'objet de toute une politique de mise à l'abri, hein, pour employer cet euphémisme qu'on emploie beaucoup aussi dans les évacuations, hein, par exemple, a fait l'objet aussi de créations, hein, d'un certain nombre d'ouvertures, hein, de places, voilà, dans une période où la crise sanitaire l'exigeait. Donc il y a eu un effet direct, en fait, un impact direct, qui est l'impossibilité pour toutes les personnes qui voulaient déposer leur demande ou qui voulaient avoir accès à un renouvellement de leur récépissé en préfecture, etc., de ne plus pouvoir. Et les grandes préfectures qui reçoivent plus de 200 personnes par jour, tout à coup, ne pouvaient recevoir que 10 personnes ou ont été fermées à un moment. Ça pose une question d'embouteillage dramatique, avec des papiers qui ne sont pas renouvelés, avec de ce fait un certain nombre de difficultés, d'autant plus qu'il y a donc cette politique du numérique qui va écarter encore plus des personnes qui n'ont pas accès finalement à ces possibilités-là. Alors c'est une question dont j'aimerais qu'on parle finalement. Cette crise sanitaire qui a eu bien sûr un impact sur ces personnes en parcours, enfin, d'exil et d'asile sur le territoire, qu'est-ce que vous avez pu en voir ? En fait, il y a eu plusieurs conséquences. D'abord, la première conséquence, c'est que les frontières étant fermées, il y a beaucoup moins de gens qui sont arrivés. Donc ça, il faut avoir en tête qu'en 2020, il y a 40% de demandeurs d'asile en moins en France, et je crois en Europe de manière générale, qui ont été comptabilisés. Voilà. Mais pour autant, il y a quand même plein de gens qui étaient là, effectivement. Et comme vous l'avez dit, on s'est retrouvés au début de la crise avec des milliers de personnes à la rue qui ont été effectivement mises à l'abri dans des structures hôtelières, en fait, pour la durée des confinements. Dans une logique qui était à la fois une logique sanitaire qu'on peut saluer, mais en même temps, on a vu se reconstituer des campements de manière extrêmement régulière et sans pour autant qu'on apporte de solutions durables à toutes ces personnes. C'est-à-dire qu'il s'agissait juste de résoudre un peu fictivement un problème qui est un problème beaucoup plus structurel. Donc voilà, le Covid, ça a eu effectivement un effet de ralentissement du traitement des demandes d'asile. Tout à l'heure, je vous parlais d'accélération, du fait que l'État mettait des moyens pour accélérer. Bah, effectivement, il y a un an et demi, il y a eu des mois entiers pendant lesquels ni l'OFPRA ni la CNDA n'ont pu fonctionner correctement, des mois entiers pendant lesquels les guichets uniques de demande d'asile n'ont pas pu fonctionner. Bon, on ne va pas non plus complètement... Enfin, je veux dire, tout le système administratif français était embolisé. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu plus de maltraitance de ces publics-là que d'autres. Mais la réalité, vous l'avez effectivement dit, c'est qu'on est aujourd'hui confronté à des situations de rupture de droit. C'est-à-dire, c'est une chose de ne pas obtenir une régularisation et effectivement de passer, d'être en situation irrégulière et de le rester. C'est évidemment pas souhaitable. Mais c'est quelque part encore... Enfin, la violence symbolique, et la violence pas que symbolique, mais la violence de l'effet quand on a des droits, du non-renouvellement de ces droits, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à prendre un rendez-vous en préfecture à temps, ou que le traitement du dossier a mis trop longtemps, ou qu'on n'a pas envoyé la bonne photocopie de la bonne pièce, et qu'on avait des droits sociaux qui étaient ouverts et qu'on perd ces droits, qu'on avait une autorisation de travail et qu'on perd cette autorisation de travail pour des pures raisons de délai administratif, ça c'est quelque chose qui est une réalité aujourd'hui, qui est une réalité dans de très nombreux territoires. C'est pas uniquement vrai dans les quelques préfectures un peu de région parisienne qu'on connaît bien, c'est vraiment vrai dans beaucoup, beaucoup d'endroits, et c'est quelque chose qui nous préoccupe, nous, énormément, et qui fait qu'on se mobilise en permanence pour signaler ces situations-là, parce que il faut imaginer ces gens qui ont réussi à ce parcours d'intégration, qui ont obtenu un titre de séjour, qui ont obtenu un travail, et qui, parce qu'elles n'ont pas réussi effectivement à prendre le rendez-vous qui va bien en préfecture, se retrouvent privées de travail, et donc derrière privées de logement, et donc en fait perdent le bénéfice de toutes ces années d'intégration pour ces simples questions administratives. Donc voilà, et juste un dernier mot sur l'accès au numérique, parce que je vous remercie d'en avoir parlé, c'est aussi un sujet de plaidoyer pour nous important. Tout à l'heure, je vous disais qu'on n'a pas de financement pour les cours de français, on n'a pas non plus le financement pour Internet dans les centres d'accueil. On a le financement pour mettre des lignes de téléphone dans les centres d'accueil, mais pas pour du numérique. Et donc, c'est des choses que nous, France Terre d'Asile, on fait de notre côté en cherchant des financements divers et variés ou en essayant de convaincre un par un les départements de bien vouloir mettre du Wi-Fi dans les appartements.
évidemment, mais l'accès à Internet n'est pas encore considéré comme un droit fondamental. Or, quand on est réfugié, enfin, ou migrant, avoir accès à Internet, c'est aussi vital que l'eau et l'électricité, quoi. Absolument. Alors, du coup, je vous retourne la question, c'est-à-dire, que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça voulait dire pour ces parcours d'exil, pour ces personnes en parcours d'exil, que de rencontrer, finalement, dans le territoire dit d'accueil, cette épidémie qui, au départ, a été très, voilà, considérée comme un élément mortifère? Alors, voilà, qui a fait peur aussi, qu'est-ce que ça a supposé peut-être autour de la prise en charge de ces personnes? Alors, comment je pourrais résumer ça? Bon, il y a eu plusieurs choses, mais peut-être dire que c'est la clinique de l'exil, c'est une clinique de la honte, c'est l'affect le plus marquant, en tout cas pour moi, ou ce qu'ils essayent de faire quand ils arrivent dans un endroit, c'est vouloir être comme les autres, n'est pas être signalé comme étant étranger, justement. Donc, et malheureusement, il y a des politiques où la honte, on peut la produire. Et je pense que l'effet un peu après coup de la pandémie, c'est que ça a montré tout un pan de la population, justement, qui n'avait pas accès à toutes ces choses-là. Donc, pour les adultes, étonnamment, beaucoup de mes patients disaient, bon, confinement, on a déjà connu. Donc, ils ont des rappels, des moments de campement, etc. Pas de nourriture, pas pouvoir bouger, etc. Mais je pense que le plus difficile a été pour les enfants et les enfants qui vont à l'école. Et les chocs du retour à l'école, ils se rendent compte que tous les autres enfants, justement, ils ont pu suivre les cours, ils ont pu s'informer, ils pouvaient être informés, ils pouvaient suivre un tas de choses qu'eux, ils n'ont pas pu suivre. Et rattraper une année d'enfermement dans un système comme le nôtre, maintenant on en parle encore. C'est-à-dire qu'on fait passer des enfants qui n'ont pas les niveaux, et ça a des effets catastrophiques pour la mère, pour l'enfant, pour vous imaginez tout ça. Donc ce sont des choses qu'on découvre aussi par rapport à cet effet que je pense que nous vivons une époque que nous-mêmes nous ne contrôlons pas. C'est-à-dire que maintenant on ne peut pas s'en passer de la question numérique. Que beaucoup d'écoles avec qui nous avons travaillé, aussi les maîtresses découvraient des enfants qui ne savaient pas qu'ils étaient à l'hôtel, ils ne savaient pas un tas de choses. Et que, je pense que c'est une prise de conscience maintenant de cet impact. Après, peut-être dire la question du trauma, parce qu'on n'a pas parlé du trauma, là, c'est la clinique du trauma. On a continué un peu à dire que que c'est la question de ce qui revient, c'est-à-dire les traumas, ce qui marque quelque chose, c'est que après tout ce qu'on a dit, toutes les images qu'on a vues, c'est-à-dire que dans ces traversées, il y a des choses qui reviennent malgré le sujet, même si on veut oublier, et que cette pandémie, c'est un mort comme ça pour beaucoup des patients. C'est un moment où justement le passé est revenu de façon un peu brutale et que ça a marqué. En tout cas, cliniquement, justement, qu'il y a quelque chose du passé qui a besoin d'être élaboré. Et qu'élaborer ça tout seul dans son chambre, sans pouvoir parler avec les voisins, parce qu'il n'y a pas la langue, il n'y a pas tout ça. Tout ça, ça a été extrêmement difficile. Donc, nous avons continué, pratiquement, c'est comme pendant la pandémie, nous n'avons pas arrêté, c'est-à-dire nous avons appelé les mêmes rendez-vous pendant tout, comme nous avons fait la plupart des centres de soins, et ça a permis qu'il n'y a pas eu de rupture en fait des soins pendant cette période, et où on voit l'importance de la voix encore, de pouvoir s'adresser à quelqu'un, parler, que cette voix soit entendue, et une fois qu'elle est entendue, ça apaise et ça produit une arrivée, c'est-à-dire que l'accueil s'est fait à partir de là. Je crois qu'en fait, on a beaucoup, quelque part, parlé du trauma à travers ces violences multiples qu'on a vues, qui ne sont pas seulement physiques, pas seulement, voilà, qui sont aussi très psychiques, très symboliques. Et vous avez parlé, même dans ce cas, finalement, de comment
Et comment, à partir de cette violence-là, on peut aussi élaborer autre chose, et quand même, comment aussi une forme de réalité, une légitimité politique va aider aussi, va soutenir en tout cas un autre travail qui est le travail psychique que vous faites. Mais effectivement, ce que vous montrez, c'est que la population qui vient vous voir, parce qu'il faut aussi avoir accès au centre Primo Levi, par exemple, comment elle arrive au centre Primo Levi, comment elle a cet accès à cette information-là. C'est aussi, enfin, vous savez aussi que vous avez une population voilà, qui a pu arriver jusqu'à vous, quelque part. Alors, il y a deux personnes à l'accueil, donc au centre, parce que malheureusement, aujourd'hui, disons que dans les régions parisiennes, on est assez connus, donc les CADA, les mêmes patients nous amènent des nouveaux patients, mais la liste d'attente, malheureusement, elle est longue. Et c'est pour ça qu'il y a deux personnes à l'accueil. Moi-même, j'ai une matinée dédiée pour pouvoir tenter d'adresser. Donc, c'est un travail énorme, mais très important, où on travaille en réseau pour pouvoir adresser et que la parole ou la demande, ces premières demandes, puissent être entendues et surtout donner une adresse. Donc il y a tout ça, parce que moi, j'ai passé une matinée à l'accueil il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a un collègue qui n'est pas venu, et c'est impressionnant, tous les 5 minutes, il y a un appel. Il y a beaucoup de gens en plus qui viennent pour demander, et c'est du temps, c'est beaucoup de temps, mais c'est un temps très important, parce qu'il me semble que l'accueil, quand on parle d'accueil, c'est ces moments-là où on a ces temps-là de savoir si c'est ici ou si c'est ailleurs. Et c'est un temps gagné pour eux, parce que quand il n'y a pas la langue, c'est très difficile de ne pas savoir. Je pense que c'est une des souffrances qui vient rajouter à la souffrance du passé, c'est-à-dire ne pas savoir où y aller. Et on perd des temps et d'argent, je trouve, par rapport à la langue. Et c'est autre chose pour laquelle on fait beaucoup de plaidoyers. Je pense que petit à petit, ça a été entendu de plus en plus. Il y a plus d'argent, il y a plus d'interprètes qui interviennent dans les écoles, dans les hôpitaux, parce que mes collègues médecins pourraient témoigner mieux que moi, mais dès qu'ils reçoivent un patient, ils ont fait pratiquement le tour des urgences de Paris ou de la région parisienne, où il y a plein de prescriptions. Les médecins, ils ont pris le temps, ils ont donné un tas de choses, mais la barrière de la langue a fait que tout ce temps, tout cet argent, ça tombe à l'eau, parce que simplement ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait, la maladie, les diagnostics. Donc vraiment, si on ne tient pas compte de la langue, de l'autre, on ne peut pas les soigner, en fait. Est-ce que je peux me permettre de rajouter quelque chose là-dessus? Parce que c'est encore plus fin, c'est absolument fondamental, et je voudrais juste insister, parce que en fait, je pense qu'on ne mesure pas à quel point c'est fondamental. On passe notre temps, nous, à réclamer de l'argent pour de l'interprétariat, justement, pour pouvoir permettre cette libération de la parole. Et la réponse qui nous est souvent faite par les autorités, c'est bah, écoutez, il y a bien dans le CADA un autre résident qui parlera la même langue et qui pourra se charger de la traduction, ou monsieur a bien une femme qui parle français. Et donc, en réalité, on est renvoyé en permanence au fait d'aller bricoler avec les conjoints, les voisins, etc. Et c'est un mépris évident et absolu pour les besoins d'expression des personnes. Et donc ce combat pour des moyens pour l'interprétariat, il est pas anecdotique, il est pour moi absolument fondamental. Voilà, donc je voulais juste vous dire que là-dessus, on se bat, nous aussi, du mieux qu'on peut. C'est un combat important, puisque vous dites aussi, c'est finalement l'importance de travailler en réseau, hein, si vous faites des orientations. C'est-à-dire que, heureusement, Primo Levi est un des centres les plus importants autour de ces... Je reprends ce qui va avec, hein, vivre après la torture, c'est quand même ce qui apparaît lorsqu'on lit le logo de Primo Levi. Donc autour de ces personnes et de ces traumatismes et ces violences, et ces violences politiques entre autres, il y a heureusement aussi aujourd'hui des possibilités de prise en charge à l'hôpital public spécialisé, hein, là je vais prêcher pour ma paroisse, l'hôpital Avicenne, qui a développé depuis longtemps cet interprétariat systématique lorsque des personnes arrivent en consultation de psychotrauma. Mais il y a d'autres centres sur Paris, de plus en plus, et il me semble que lentement la question de l'interprétariat fait son chemin, entre autres autour de l'ARS hein, et des agences régionales de santé qui commencent à l'exiger. Mais c'est un combat effectivement
voilà, qui prend son temps. Donc voilà, je retiens aussi cette nécessité de grandir finalement autour de ces actions et de grandir en réseau peut-être, autour d'une réalité qu'on ne veut pas voir et qui est pourtant extrême, celle de la violence de ce parcours psychique et de ce parcours de l'exil. Voilà. Peut-être qu'on peut commencer à discuter avec la salle. Je ne sais pas si on est dans les temps. Oui. Voilà, aussi, s'il y a des questions ou des choses que vous aimeriez demander à nos intervenants. Alors déjà, bonjour. Je voulais vous demander comment on peut changer justement le regard qu'on a des migrants et toute la violence auxquelles ils sont confrontés. Et c'est quelque chose, là, dans le débat public, on le retourne complètement. Il y a beaucoup cette question d'intégration qu'on voit. On appuie dessus alors qu'on, comme vous le disiez, on leur apprend même pas le français avant qu'ils puissent être naturalisés. Et c'est fou. Réfugiés, protégés. Donc, comment on peut... Petit sujet politique du moment, peut-être. Je me lance, ouais. Non, je vais bien être incapable de vous répondre. Je pense que si on avait la réponse à ça, on serait tous dans un monde un peu meilleur. Mon expérience chez France Terre d'Asile m'a appris, et dont j'étais pas forcément convaincue il y a quelques années de ça, c'est qu'en fait, si c'est important de raconter des récits positifs. Si je peux vous faire part vraiment d'un truc très personnel, moi j'avais une forme de conviction qui était de dire, moi je crois au droit d'asile, donc je défends des valeurs, et donc les gens ont le droit d'être réfugiés, quand bien même ils seraient délinquants derrière, c'est pas grave. Et puis j'ai compris au bout d'un moment qu'en fait, les gens ont besoin de récits, ont besoin d'identification, ont besoin de se rassurer aussi peut-être, et que donc en fait, raconter des histoires d'intégration qui se passent bien, et les histoires de MNA, c'est hyper emblématique pour ça. Il y a plein de jeunes qui arrivent enfants non accompagnés, qu'on accompagne dans des centres, qui font de l'apprentissage. On a des meilleurs apprentis de France en chauffagerie, je crois, l'année dernière dans nos centres. C'est des gamins qui, en fait, derrière, pour qui tout peut bien se passer, à condition que les préfectures leur donnent des papiers derrière. Bon. Mais quand on a des belles histoires, c'est important de les raconter. Et donc voilà, si je peux partager un truc avec vous, c'est ça, c'est que j'ai beaucoup douté de ça au début. Et en fait, aujourd'hui, je sais que ces histoires-là, elles font société, en fait. Et elles permettent à des communautés, dans des petites villes, dans des territoires, de se rassembler autour de l'intégration d'une famille pour qui tout se passe bien. Et sans doute que ça participe un peu du vivre ensemble, quoi. Veut répondre. Oui, peut-être. Ah, oui. Je reprends les choses. C'est sur la difficulté, enfin, il y en a beaucoup, hein, on l'a vu, mais la question du pouvoir discrétionnaire. Et ça, je pense que vous êtes confronté en permanence avec cette réalité, et notamment le traitement par les préfectures la possibilité ou pas d'être hébergé. Il y a des quantités de départements où les mineurs dorment dans la rue. Moi, je l'ai constaté en faisant des débats associatifs, par exemple, les difficultés de la régularisation, c'est du pouvoir discrétionnaire. Donc, on a des quantités de domaines qui sont en principe balisés par le droit, mais il y a des interstices qui rendent l'application de ce droit extrêmement difficile. Et plus la thématique de l'immigration, de l'asile est politisée, plus les peurs, y compris des décideurs, se traduisent par du pouvoir discrétionnaire. Et ça, c'est un drame pour les parcours des personnes dont on a parlé. Alors, comment... Bon, ça fait depuis un moment que je pense que c'est une question ça sera toujours d'actualité. Je vais être très, très psychanalyste de ce point de vue. Freud disait le malaise dans la civilisation. Je pense que c'est ancré en nous, qu'il y a des choses qu'on ne supporte pas chez le voisin. Ça ne pourra pas l'éliminer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive en limite de la biopolitique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où c'est le discours où... ça commence toujours la violence par les discours. C'est-à-dire que je pense que c'est pour ça que c'est important tout ce qu'on est en train de faire là, parce que ce n'est pas une révolution qui va changer les choses ou les regards.
C'est à chaque fois et chaque action qu'on fait au quotidien, il y a quelque chose où on peut dire que non à l'autre, qu'on n'est pas d'accord, répondre à l'autre. Et je pense que c'est cette petite subversion quotidienne qui change la donne. Et après, effectivement, il y a la question des... on ne se rend pas compte à quel point les faits du discours politique, de la propagande, ça rentre dans les têtes des personnes, même quand on travaille pour l'État français. Ça, je les vois, je les constate. C'est-à-dire qu'il y a, la manière comment ils sont reçus, les personnes, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, tout simplement, ça commence à ces moments-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter, parce que la violence, c'est plutôt la cruauté. C'est-à-dire que c'est la micro-politique, en quelque sorte. Les gens, dans les guichets, et nous patients nous les disent, ils profitent pour se venger à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est à ce niveau-là où les choses changent aussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le discours politique où nous sommes confrontés actuellement. Mais chaque discours politique, effectivement, chacun, il aura sa cohérence. On ne pourra pas enlever cette différence. Mais par contre, il y a des choses que... la question des mineurs non accompagnés, c'est on perd des temps de les nommer comme ça. C'est-à-dire que si on prend la chose par la question de la santé publique, ce sont des enfants en danger, et tout de suite, les regards changent, vous voyez. Donc, c'est ne pas accepter, rentrer dans des discours où c'est pour nous tromper, en fait. Lacan disait que tous les discours, ça nous sert pour nous endormir, en fait. Sortir des assignations, alors. Voilà. Oui, ce qui m'a vraiment frappé dans tout ce que vous racontez, c'est la difficulté de votre travail et l'importance de votre travail. Parce que ce sont des personnes, en fait, ces exilés, qui veulent échapper à la souffrance. Pourquoi ils s'exilent ? Pour échapper à une souffrance. Or, ils retombent dans une souffrance. Et donc, ce cercle-là me semble vraiment quelque chose d'extrêmement difficile qu'il faut absolument continuer, mais où est l'espoir? C'est une chose. L'autre, c'est le paradoxe qui a été pointé de la situation à Calais où des personnes qui doivent être prises en charge, en fait, elles veulent partir. Donc, il ne s'agit pas de les prendre en charge pour les fixer, mais de les prendre en charge tout en leur permettant quelque part de ne plus aller là, d'aller ailleurs. Donc c'est un autre paradoxe qui est extrêmement difficile à traiter, me semble-t-il. Je peux dire oui. Merci beaucoup, parce que je pense que vous avez entendu quelque chose que nous avons essayé de dire. Parce que justement, rien n'est fait aujourd'hui pour accueillir ces personnes. Et c'est pour ça que c'est si difficile de les accueillir, mais on les fait. Et en les faisant, il y a quelque chose qui s'est produit à ce moment-là. Et c'est cette rencontre. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a très peu d'espace où on peut avoir de l'argent, des possibilités pour les accueillir correctement. Et c'est pourtant, on fait tout ça pour qu'ils puissent être entendu, accueilli quelque part. Et je pense que c'est ça l'effort finalement qui, chaque époque, à chaque fois, plusieurs personnes et plusieurs groupes humains sont tentés d'aller contre ces non-accueils en disant non, ici, il y a une place pour les accueillir. Donc, effectivement, je pense que chaque époque montre une façon, de manière différente, comment il ne faut pas accueillir l'autre, les barbares. Il y a des groupes qui disent non, il faut les accueillir quand même, même si on n'a rien pour les accueillir. Et je pense que c'est rien, ça permet de produire quelque chose, en fait. Moi, je veux croire qu'il y a encore un peu d'espoir quand même, sinon, effectivement, on ne serait pas là. Mais je suis d'accord sur le paradoxe. Je pense qu'il faut... C'est compliqué de parler de non-accueil complètement, parce que je pense qu'en fait, il y a des choses qui sont faites, mais que le discours politique est tellement prévalent aujourd'hui
que l'État assume même pas les choses bien qu'il fait. Il y a des choses bien qui sont faites. Enfin, moi, je peux pas, je suis pas là pour dénoncer absolument tout ce qui serait fait, mais ce que je trouve absolument incroyable, c'est à quel point quand l'État y met les moyens, il le dit pas en fait, parce que quelque part, il est, enfin, plutôt l'État, le gouvernement, quoi. C'est pas très populaire de faire des choses bien vis-à-vis des migrants. Et donc, en réalité, il y a aussi un paradoxe de plus, peut-être, que je pourrais rajouter, qui est que je trouve que le gouvernement, qui n'a pas tout fait mal sur notre question, sincèrement, en tout cas, ils ont fait des efforts financiers sur certains sujets, ben, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas parce que même ça, ils n'arrivent pas à l'assumer. Et quelque part, ils préfèrent encore assumer les images catastrophiques de Calais, sans doute parce que, je ne sais pas, il y a une forme de conviction que ça flatte mieux les surmois politiques, quoi. Enfin, on est quand même dans une période un peu particulière, au niveau électoral. Bonjour, merci beaucoup pour toutes vos interventions. J'interviens en tant qu'enseignante de français langue étrangère. Alors ce sigle, on l'assimile comme français et des langues étrangères, français, langue de l'étranger, à l'étranger. On nous donne de statut nulle part professionnellement. Ce sont des filières qui ont été créées dans les années 80. On est à 40 ans de pratique professionnelle convaincue et en didactique comme sur le terrain. Mais en fait, on appartient à une sociologie qui est celle du français en tant que langue d'apprentissage, auprès de publics extrêmement variés. Et je crois que, en fait, c'est une pratique qui permet d'avancer la théorie du travail sur le terrain sociologique. Et je pense qu'on est à un carrefour après ce Covid où tous nos métiers sont à repenser sur la base de la rue. Et on doit tous partir de l'existant du social qui est dans la rue. Et repenser toutes nos filières de vocation de travail par rapport à ce qui s'y passe, que ce soit les cortèges de revendications à tous les niveaux, social, économique. Voilà. Donc on a à penser la rue, à traverser la rue, c'est là que les gens vivent ensemble, partout sur la planète, c'est un phénomène sociologique international. Et quand on aura, à force d'avoir rencontré par des maraudes, des gens dans des réalités effectivement souvent migrantes, mais aussi sociales, on comprendra qu'on a tous à travailler à partir de ça. Et aujourd'hui, en tant que bientôt une génération de personnes formées dans l'économie sociale et solidaire, on a tous à penser dans ce monde d'après des pratiques théoriques, pratiques, vraiment par rapport à la question des migrants qui sont pour nous les plus grands héros. Je voudrais rendre hommage au précédent cycle qui a eu lieu ici à Beaubourg avec Klotz et Perceval, qui sont des théoriciens dans le monde de l'art et du cinéma, qui ont parlé de Calais et des migrants comme le nouveau cycle autour du cinéma du réel et des documentaires. Les journalistes sont des gens aussi qui prendront le relais de cette parole. Et toutes les associations, vous avez raison, et vous êtes extraordinaires dans vos sphères de travail, de ne penser qu'à ça, quoi. Voilà, merci beaucoup, vraiment. C'était un appel et un remerciement énorme. Et il y a un monsieur à côté de moi, je crois qu'on pourra lui donner la parole. Merci. Bonjour, Madame Rouillot. Vous avez évoqué tout à l'heure la crise en Afghanistan de l'été dernier. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce que France Terre d'Asile a fait? Et de manière plus générale, est-ce que ça a eu des conséquences concrètes sur les parcours, les arrivées en France? Et dans la même lignée de crise migratoire, est-ce que ce qui s'est passé en Biélorussie il y a quelques mois a aussi eu des conséquences? Alors, volontiers, très volontiers. Alors, ce qu'on a fait en deux mots, parce que c'est pas le plus... En fait... C'est le ministère, la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés qui a mobilisé les grosses associations d'accueil comme la nôtre dès la chute de Kaboul qui est arrivée un dimanche. Le lundi matin, on était convoqués en réunion pour essayer de trouver des solutions d'accueil. Et donc c'est nous, FTDA, dans la tradition qui est celle de cette association, qui s'est toujours mobilisée dans les grandes crises géopolitiques comme ça,
On a été les tout premiers à être, je pense, réactifs et à jouer ce rôle-là d'accueil. Et donc, on était à l'aéroport 48 heures après pour accueillir. Et on a ouvert un hôtel dans le sud de Paris. On a pris en charge plus de 500 personnes débarquées progressivement des avions qui réussissaient encore à partir de Kaboul. Et pour tout vous dire, on continue encore. On a toujours une petite activité. Parce que l'État français réussit tant bien que mal à faire partir quelques personnes, même si ce n'est vraiment pas beaucoup. Mais l'intérêt de la question que vous m'avez posée, c'est la deuxième partie. C'est concrètement, qu'est-ce que ça change ? Ça ne change rien. C'est-à-dire, je pense qu'il faut collectivement se dire que c'est bien que l'État français et puis tous les États européens et puis l'Australie et voilà, le Canada aient fait cet effort d'accueil. Mais c'est un nombre extrêmement faible de personnes qui a pu être accueillie. On a des vraies difficultés aujourd'hui puisqu'on n'arrive plus à faire partir personne. Vous savez que ça faisait des années que le regroupement familial était quasiment bloqué depuis l'Afghanistan, c'est-à-dire que des Afghans qui avaient réussi à venir en France et en Europe, qui avaient réussi qui avaient connu cette route d'exil, n'arrivaient pas à faire venir leur famille, alors que c'est un droit, c'est un droit fondamental, tout à fait. Et donc, en fait, on a encore aujourd'hui des familles de réfugiés afghans qui sont totalement coincées en Afghanistan, qui sont en danger, bien évidemment. Les personnes, quand on les a accueillies en mois d'août, septembre, là, elles pensaient qu'à un truc, c'était à faire venir leur famille. Et il y a des gens dont la vie est en danger parce qu'une partie de leur famille a réussi à fuir. Enfin, donc, en fait, la situation, elle est très, très loin d'être résolue. Donc, ce n'est pas pour critiquer ce qui a été fait. C'est simplement pour dire que maintenant, l'enjeu, il est d'arriver à négocier d'essayer de négocier quand même que certaines personnes puissent partir et aussi de penser avec le Haut Commissariat aux réfugiés des voies d'accès en France et en Europe, depuis notamment le Pakistan, puisque l'essentiel des Afghans qui ont fui sont au Pakistan encore aujourd'hui. Il y a plus d'un million d'Afghans au Pakistan. De penser des voies légales pour éviter que les gens se jettent sur les routes dont on a passé deux heures à parler ce soir. Or, dernier point peut-être sur les Afghans, vous savez, il y a, c'est un peu juridique et un peu technique, mais les Afghans en France étaient très bien protégés depuis des années parce que la Cour nationale du droit d'asile considérait que la situation sécuritaire à Kaboul était suffisamment grave pour que tout Afghan, peu ou prou, on va dire plus de 80 ou 90% des Afghans qui demandaient une protection, obtenaient une protection qui était moins forte que le statut de réfugié, mais qui était ce qu'on appelle la protection subsidiaire, mais leur permettait en fait d'avoir un titre de séjour de 4 ans, de rester en France. Et l'incroyable paradoxe qu'on vit en ce moment, c'est que la Cour nationale du droit d'asile est en train de renverser sa jurisprudence par rapport à ça, et en fait de moins protéger les Afghans, en théorisant notamment le fait que, puisque les talibans ont pris le pouvoir, l'État afghan n'est plus, il n'y a plus la guerre en Afghanistan, c'est autre chose, et que donc théoriquement, il est moins risqué pour un Afghan aujourd'hui de repartir en Afghanistan que ça l'était. Et donc on a un État qui, à la fois, combat, enfin, un Français qui critique les talibans, qui annonce ne plus vouloir expulser vers l'Afghanistan, mais en même temps une Cour nationale du droit d'asile qui, pour des raisons complètement paradoxal et contradictoire. On est en train de regarder, c'est tout frais, hein, donc tout ça va se commenter dans les années qui viennent, mais devrait moins protéger. Voilà. Donc c'est une situation dramatique pour les Afghans à l'avenir. Et j'ai pas répondu à la Biélorussie. Ouais. Pardon. Et alors, donc, je vais faire une minuscule parenthèse sur la question afghane. Il y avait eu une première étape autour de ça, c'est-à-dire après un premier moment de protection importante qui atteignait quasiment 80%, un peu moins que les Syriens, mais c'était des proportions très importantes. Il y avait eu un premier moment où les administrations de l'asile avaient mis fin, quelque part, à cet élément très important sur l'asile, qui est qu'à partir du moment où un demandeur d'asile pouvait prouver qu'il venait de certaines régions d'Afghanistan, il était automatiquement protégé. Donc il y a eu la fin de cette ordonnance-là sur l'Afghanistan, qui a déjà changé quelque part toute la question afghane, c'est-à-dire une protection qui n'était plus du tout systématique. Et puis effectivement, là on arrive dans un autre moment où on commence à voir, alors je sais que certains pays européens ont commencé à renvoyer en Afghanistan actuellement. Hein. Donc, c'est a priori pas encore le cas, pas encore le cas de la France, mais c'est vrai qu'on avance vers à nouveau des Biélorussie. Ah, tout à fait.
Non, mais c'est tout à fait ça. Le paradoxe sur l'Afghanistan, il est là. Il est qu'à la fois, on cherche à protéger les gens, et en même temps, tous les Afghans qui sont arrivés par d'autres biais que ces charters un peu particuliers vont pas forcément être bien protégés. Et sur la Biélorussie, je vous réponds en deux mots, c'est beaucoup plus loin de nous encore aujourd'hui, même si j'ai lu, mais je ne sais pas, peut-être Catherine, vous sauriez ça mieux que moi, que parmi les personnes qui sont mortes à Calais, vous savez, il y avait beaucoup de gens qui arrivaient de la frontière biélorusse. Donc en fait, il y a bien eu des gens qui, par cette action, se sont retrouvés jusqu'à Calais, donc en route vers l'Angleterre. Mais à part ça, il faut, enfin, pour relativiser ce qui s'est passé en Biélorussie, il y a un nombre... Ce qui était fou en Biélorussie, c'est que ça concernait très peu de personnes. Et qu'en fait, l'espèce de chantage migratoire qui a été exercé par le président biélorusse sur l'Europe, qui est en train de conduire à un durcissement dramatique de la politique européenne d'asile, parce que c'est ça qui se joue en ce moment. On est en train d'adopter des textes européens, ou en train de discuter, en tout cas, en vue d'une adoption des textes européens qui pourraient permettre de faire, d'ancrer durablement des brèches dans le droit d'asile européen à cause de cette histoire biélorusse. Donc, les personnes, elles sont très peu nombreuses, mais par contre, l'impact politique, structurel, il va sans doute être extrêmement grave. Petit point clinique de 2 minutes, c'est juste la question de Doudeuil par rapport à ça, parce qu'effectivement, on pense qu'ils sont arrivés, ils sont protégés en France, donc ça y est, c'est... Justement, c'est la séparation et la rupture, c'est-à-dire que cliniquement, on les voit qu'ils pensent en permanence à tous ceux qui sont restés là-bas, surtout quand il n'y a pas de nouvelles. C'est extrêmement dur et je pense que c'est une partie qu'on a du mal à en parler, justement, eux-mêmes, par rapport à cet impossible deuil à faire, souvent. Maintenant les politiques ils vont se rajouter à la difficulté que même s'ils retrouvent la famille peut-être ils vont pas pouvoir venir en France, donc il y aura une rupture, une séparation qui va se faire aussi par la loi. Mais cliniquement c'est vraiment quelque chose qu'on entend très très souvent, c'est même si on les voit qui s'intègrent, ils vont bien, ils ont un travail, etc. Et qu'est-ce qui se passe, ils pensent en permanence et ma famille là-bas. Donc, comment faire cet deuil, c'est une question qui reste cas par cas cliniquement, mais c'est important de l'évoquer parce que ce sont des drames humains à lesquels on assiste et que cliniquement, parfois, on n'a aucune solution parce qu'il n'y a pas de réponse à ça, à ce type de souffrance. Voilà. Il faut en plus avoir en tête que quand on obtient le statut de réfugié, on renonce à retourner dans son pays d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, le deuil, il se traduit aussi concrètement par un acte très très fort qui est de dire ben voilà, je plus jamais quoi. Oui, moment d'effondrement souvent. Ouais. Bonsoir. Je voulais savoir, en tant que psychologue, en tant que qu'oreille, comment on compose avec le décalage qui peut exister entre nous, notre posture extrêmement privilégiée et ces personnes qui portent un récit aussi douloureux, parce que j'ai tendance peut-être à tort à considérer que ce qui soulage aussi avec quand on consulte, c'est d'avoir un espace de parole et aussi pouvoir être compris. Et nous, ces personnes-là, on pourra jamais leur dire je vous comprends. Donc comment on gère cette posture par rapport au récit qu'on entend. Merci. Oui, merci pour la question. C'est vrai que... Alors, c'est une clinique qui demande un travail personnel, je trouve, important. Et pour justement pouvoir faire un pas à côté de ce qui est dit. Donc, pour nous, c'est assez clair, en tout cas au centre Primo Levi, que les personnes qui viennent au centre, c'est pas... un migrant qui va nous témoigner d'un parcours migratoire. C'est-à-dire qu'au moment qu'il traverse la salle de consultation, c'est un sujet qui est en souffrance et dont il va dire quelque chose. Et cette souffrance peut passer par un récit migratoire. Donc c'est à nous de pouvoir, comme vous dites, une oreille qui va écouter avec justement cette attention
qui porte aucun jugement sur ce qui est dit, et nous, on ne prend aucun parti sur ce qui est dit. Donc cette liberté, il la ressent tout de suite dès qu'il arrive au centre Primo Levi, parce que à chaque fois qu'ils ont rencontré un psychologue ou même un collègue médecin, c'est pas pareil pour les juristes ou l'assistant social, parce que l'enjeu de la parole, c'est pas le même. Mais en tout cas, nous, ça implique quand même que c'est pas une parole de témoignage, on n'est pas là pour accueillir un témoignage ou quelque chose, c'est une parole qui est aussi libre qu'un autre. Bon, je vous laisse aussi donner votre avis peut-être par rapport à cette expérience. Parce qu'on a une clinique, ben oui, la même. Qu'on partage la même clinique. Je crois qu'il y a quelque chose de très important qui vient d'être souligné, effectivement. Nous ne sommes pas là pour entendre un récit. Lorsqu'une personne arrive avec une violence psychique qui est inimaginable, qu'elle n'a absolument pas pu la partager, déjà pas avec les personnes de sa famille, ça serait les inquiéter, ça serait les terrifier. Lorsqu'elle ne peut les partager avec aucun de ses compatriotes, pour X raisons, lorsqu'elle a ça dans sa tête et qu'elle sait que cette violence est totalement explosive, c'est une violence qui la détruit totalement. Lorsqu'elle vient vous voir, elle adresse quelque chose. Le seul fait d'être là dans la consultation, elle vous adresse quelque chose. Et la première chose qu'on peut faire, nous, c'est attester de cette violence, attester vous êtes là, et oui, il y a une violence inimaginable. C'est la première chose qui se passe. Ensuite, il y a tout ce que dit Armando, c'est-à-dire tout ce décentrage, finalement, qui est obligatoire pour un psychologue, pour un clinicien, pour toute forme de clinique, c'est-à-dire être capable déjà d'écouter, d'entendre. Voilà. Bien sûr, entre la personne qui arrive et vous, il y a, c'est un autre monde. Même la question de l'empathie, à mon avis, est une question complètement biaisée. Je veux dire, on est à milieu de comprendre la violence. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous renvoient très très fort les patients. C'est, vous ne comprendrez pas. Je ne vais pas vous raconter. Enfin, c'est là. Simplement, ils sont là. Ils sont là. Il y a une forme de parole qui se met en place, il y a une demande à ce moment-là, nous on appelle en psy, une forme d'adresse. Alors l'adresse, ça peut être « aidez-moi à arrêter de penser » ou bien « est-ce que je suis devenu fou ?» Enfin, elle a beaucoup de tonalité, cette adresse. Hein. Mais on est effectivement au bord d'une folie, qui est d'ailleurs une folie pas du tout au sens psychiatrique, mais qui est une folie en lien avec l'exclusion du monde commun à ce moment-là. Hein. Est-ce que je suis fou? Il n'y a plus d'accès au droit, il n'y a plus d'accès. Et c'est une violence, une détresse énorme. Le seul fait de pouvoir poser cette parole-là dans un espace, ensuite il y aura l'élaboration possible, ou pas d'ailleurs. Vous avez des patients avec lesquels il y a très peu d'histoires, il n'y a pas de récit possible, c'est autre chose. Mais ils viennent là. Voilà. Donc en fait, c'est ça le moment clé, en tout cas, de ce type d'espace. Mmh. Et de soi-même. Et j'ai envie de dire, le fait qu'on soit encore plus loin précisément d'eux, qu'on n'ait rien à voir avec cette histoire-là, juste qu'on soit le plus tiers possible, le plus étranger possible, le fait que justement, de cette position-là, on puisse dire qu'on atteste de cette violence, qu'on est là pour l'entendre. En fait, c'est ça qui est le début de l'ancrage dont Armando a parlé. Et sans cet ancrage-là, les formes d'errance psychique de ces personnes sont extrêmes. Parce que ce sont des violences continuelles, qui sont des violences politiques au sens fort, c'est-à-dire sortir du monde commun. Vous n'êtes plus dans le monde commun. Vous n'avez rien à y faire dans leur pays, pendant leur parcours, et ensuite ici. Donc je crois que c'est très important, ça. Et bien sûr, on n'a aucune prétention, je peux vous dire, quand on est clinicien, à connaître l'histoire des personnes. On n'en connaît rien. On en connaît ce qu'ils veulent bien en dire. Le récit, c'est complètement autre chose. En tout cas, le récit qui passe à l'OFPRA, etc., est autre chose, ne nous concerne pas. Il y a autre chose, une autre forme de parole. Je crois que Armando l'avait très bien dit, ça. Oui, okay. on est vraiment là, on n'est pas là pour comprendre, en fait. Et ça, pour eux, c'est important, parce que c'est le moment où on ne se comprend pas, que quelque chose, un dialogue commence à nouveau pour eux. Et comme ça a été dit, c'est effectivement recommencer quelque chose où on était éjecté de la parole, d'un dialogue avec l'autre. Ok, merci à vous quatre. Alors, il y a des psychologues qui sont dans la salle, hein. j'ai écouté. Mais je voulais juste compléter la psychologue, la jeune qui,
qui posait là une question. Alors, c'était pour vous demander, docteur, quand vous voyez ces familles-là, quand vous les voyez, vous les voyez en groupe, vous les voyez en fonction de l'âge, est-ce que vous les voyez les enfants entre eux, ou vous voyez et toute la famille, ou vous voyez les gens qui sont plus âgés, comment vous faites ça? Ça, c'est la question que je voulais poser aux cliniciens. Alors, les dames de France Terre d'Asile, et je voulais juste vous poser la question, et sur les plans du tissu associatif, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas que la France Terre d'Asile, il y a aussi les Secours catholiques, il y a aussi d'autres associations. Alors, comment est-ce que vous arrivez à coordonner ça? Est-ce que vous faites, comme c'est qu'a dit le docteur, des réunions en réseau? Est-ce que vous vous ressemblez en réseau avec les gens des Secours catholiques? Est-ce que vous ressemblez en section, c'est-à-dire qu'une section juridique de France Terre d'Asile avec la section juridique de deux. Comment est-ce que vous le faites, madame? Les docteurs, alors, répond. Alors, donc, au centre Primo-Levi, l'orientation est analytique. Donc, on reçoit individuellement. Mais ça veut dire que pour les familles, on reçoit, quand on va recevoir un enfant, souvent, il y a toute la famille qui débarque. Ça, c'est le classique de cette consultation. On convoque une personne, il y a tout le monde qui arrive. C'est très, très intéressant. C'est les premiers entretiens préliminaires. Parce que ce qu'on remarque souvent, c'est que c'est l'enfant qui est malade, c'est souvent celui qui va le mieux. Et que c'est beaucoup, il y a beaucoup d'autres membres de la famille qui ont encore plus mal que celui qu'on pense qu'il faut prendre en charge. Ce sont des moments très importants, mais les suivis ne se font pas en groupe. On ne fait pas de thérapie familiale. Après, il y a des collègues qui prennent en charge, donc la mère, le père, selon les cas. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, mais je sais qu'il y a d'autres centres qui reçoivent. Il y a des lieux qui peuvent recevoir des familles, tout à par fait. Exemple. Oui. Voilà. Sur tout autre sujet, pour vous dire comment on travaille ensemble, alors évidemment, je ne vous parle que de moi, mais en fait, la chance qu'on a, c'est qu'on vit dans un univers associatif qui est hyper riche, avec des mobilisations très variées, c'est-à-dire qu'il y a des associations comme France Terre d'Asile qui sont des acteurs de l'hébergement, de l'accompagnement, qui sont des structures très, très ancrées dans des dispositifs de prise en charge, et puis il y a des associations qui sont beaucoup plus, qui embarquent beaucoup plus de bénévoles, qui s'appuient moins sur des dispositifs de prise en charge et plus sur des réseaux de bénévoles. Et il y a une très grande complémentarité entre tout ce monde-là. Nous, alors évidemment, on a tous des sensibilités politiques qui peuvent être un petit peu différentes, donc on n'est pas toujours d'accord. Et parfois, on dispute et on s'engueule beaucoup, mais on a des cadres d'échange, on a des temps d'échange, de partage. On arrive à se retrouver sur des engagements et des mobilisations importantes. Sur les centres de rétention administrative, on travaille aussi bien avec la CIMAD qu'avec le groupe SOS, ce qui est un peu le grand écart du secteur associatif, si je peux dire. Donc, on essaye, on y travaille. En tout cas, moi, j'y tiens. C'est un truc auquel je tiens énormément. Et puis, on a besoin de ce spectre. On a besoin des associations plus juristes. On a besoin des associations qui sont plus dans l'aide humanitaire. On a besoin d'associations qui sont dans le médical. Alors, évidemment, Primo Levi et toutes les structures de prise en charge psy qui font un travail extraordinaire, mais aussi MSF, Médecins du Monde. Enfin, c'est une espèce de kyrielle d'associations qui ont toute une utilité dans le paysage. Et je trouve qu'on s'en sort. Enfin, je veux dire, là, en tout cas, on n'arrive pas si mal que ça à travailler ensemble. Une dernière question? Oui, merci. Beaucoup de personnes qui partent aujourd'hui en exil viennent aussi d'Amérique du Sud. Je voulais savoir si, dans votre réalité au quotidien, vous voyez beaucoup de ces personnes et quelles étaient les spécificités de leurs histoires et de leur prise en charge après avoir fui souvent des conflits géopolitiques ou autres situations? Alors, moi, je pense que c'est à Catherine qu'on va poser la question surtout. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un pays de départ qui est très important, qui est le Venezuela depuis des années, qu'on voit très peu arriver en France parce qu'ils arrivent beaucoup en Espagne. Donc, c'est une réalité très forte, mais qu'effectivement,
on connaît peu pour des raisons linguistiques. Mais je ne sais pas si Catherine, vous voulez... Il y a beaucoup de réfugiés, en fait, ou de demandeurs d'asile, plus précisément, qu'on ne voit jamais chez nous. Parce qu'il faut quand même rappeler que les trois quarts des gens qui sont en situation de demande d'asile et qui fuient des conflits ne s'adressent jamais à l'Europe, parce que ils sont souvent accueillis ou tolérés dans les pays d'à côté. Je pense par exemple au Soudan, je suis allée une fois au Soudan, c'est hallucinant, personne n'a envie visiblement de rester au Soudan, donc ils essayent de demander l'asile en Égypte par exemple, qui est signataire de la Convention de Genève, mais qui ne leur donne aucun véritable statut. Ensuite ils vont vers Israël, ils retournent au Soudan, etc. Donc c'est assez... ou ils vont au Tchad, beaucoup sont allés au Tchad. Donc les trois quarts des demandeurs d'asile s'adressent au sud du monde, ce dont parlera d'ailleurs Hélène Thiollet au mois de mai prochain, ne vont jamais ni en Europe, ni aux États-Unis, ni au Canada. Donc beaucoup de grandes crises, les trois quarts des, on l'a vu pendant la crise du mois de d'août dernier, la plupart des Afghans, ils sont allés au Pakistan et en Inde, et en Iran plutôt, en Iran. Les Vénézuéliens sont allés en Colombie, au Brésil, en Espagne, et surtout donc dans leur voisinage, si j'ose dire. Donc beaucoup, les Irakiens sont allés en Syrie, les Syriens sont allés pour l'essentiel en Turquie et au Liban. Donc on a un phénomène, disons, qui ceux qu'on voit arriver ici, c'était dit, n'est pas du tout représentatif des contextes du départ immédiat pour la plupart des gens qui cherchent l'asile après une crise ou un conflit très grave chez eux. Et donc, ils sont plus ou moins tolérés, je dirais pas accueillis, mais tolérés dans le pays d'à côté, qui est, en général au sud n'est pas signataire de la Convention de Genève. Il ne faut pas oublier qu'il y a une cinquantaine de pays qui n'ont jamais signé la Convention de Genève, mais qui les tolèrent plus ou moins. Puis de temps en temps, ils vont les renvoyer. Puis il y aura une autre crise qui sera produite par un autre pays où il y a des gens qui vont arriver. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas du tout visible de chez nous, tout ça. On reçoit exceptionnellement quand même un Brésilien, un Vénézuélien, etc., etc. Sachant que, alors pour aller dans le sens de ce que vient de dire Catherine, ces mouvements-là, bien plus importants ailleurs, reconfigurent aussi parfois les routes de l'asile. C'est-à-dire, en ce moment, il y a une crise très très forte au nord du Brésil avec ces arrivées de Vénézuéliens, qui est redevenu un véritable problème politique, avec finalement un refus d'une partie de la population, alors que le Brésil est plutôt un pays qui a accueilli, entre guillemets, avec certes des formes de violence, par exemple les Haïtiens, etc., etc. Mais voilà, et ça reconfigure du coup les routes. On a vu par exemple une partie des populations d'Afrique noire, dont des Congolais par exemple, qui partaient au Brésil à un moment, puisqu'ils ne pouvaient plus partir ailleurs. Donc voilà, vous avez des routes qui fonctionnent comme ça entre pays, alors ou limitrophes ou d'accueil possible. Et puis, bon, nous, on en voit une toute petite partie, de fait, et c'était le point de départ de cette discussion, donc c'est bien, merci, vous nous faites c'est une bonne transition de fin. Le point de départ, c'est qu'en Europe, on a un petit miroir de ce qui se passe, ouais. À échelle bien plus, numériquement bien plus importante ailleurs, quelque part. Bon, merci beaucoup. Merci pour vos questions, et puis donc... on se retrouve le 23 mai, c'est ça ? C'est ça. Donc c'est la dernière volet. Un grand merci pour vos éclairages. Bon. Un grand merci également à vous tous pour vos questions qui ont vraiment permis de faire de cette rencontre un moment d'échange, de partage. Voilà. Avant de partir, je voudrais remercier déjà les collègues de la régie audiovisuelle qui ont permis la diffusion en direct de cette soirée et qui vous permettront dans quelques jours de revoir donc cette rencontre sur la web TV BPI. Vous pouvez d'ores et déjà y voir ou y revoir la première rencontre « Migration contemporaine, statut, flux politique ». Pour prolonger le sujet, je ne sais pas s'il reste quelques exemplaires du magazine Balise, vous y trouverez un dossier sur les migrants, réfugiés, exilés, parcours heurté.
Enfin, je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre, la dernière séance de ce cycle qui aura lieu le 23 mai sur le thème déplacés environnementaux, migration des pays du Sud. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci aux intervenants. Thank you.